too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting. Coucou tout le monde! Coucou Célia, coucou Aurélia, coucou Laura, coucou la folle, Lucide, Patate Douce, l'inconnu, Emma, Nainor, coucou, bienvenue. Linmis, comment tu vas depuis le temps? Bonjour Lunmila, coucou Scat, oh là là, vous êtes déjà beaucoup. Bonjour Chamel, bonjour Sophie, bonjour Lutile, comment tu vas? Coucou Gwen, comment ça va depuis hier les copinous? Comment ça va? Comment ça va? Vous avez bien dormi? Vous avez bien mangé? Ça va et toi Célia, comment tu vas? Et coucou Justine, Justine Sims, comment ça va, comment ça va? Vous allez bien ce matin? Ah, bon, je suis essoufflée comme d'habitude, tout simplement, j'ai monté les escaliers, vous me connaissez. Coucou Lynn, comment tu vas? Je reviens d'une semaine de vacances, ça faisait longtemps. Mais oui, Calypsie, c'est vrai, comment ça s'est passé tes petites vacances? Comment ça s'est passé? Oh, merci Léa, c'est trop gentil, merci.
Et coucou Fée Alice, comment ça va? Attendez, je suis en train de voir que du coup mon sub goal là il est périmado. Je sais pas trop ce qu'on va mettre comme sub goal à la place, mais du coup je vais l'enlever pour le moment, je pense. C'est ici, on va terminer l'objectif. Voilà. Hop. Bah ça va et toi Patate Douce, comment tu vas? Comment tu vas depuis hier? C'est vrai que pour certains, on s'est déjà vu hier. Ou quand on a rénové le petit Evergreen Arbor. C'était super cool, j'ai trop aimé. En plus, j'ai pu tourner l'épisode ce matin, du coup, grâce à vous. Vu qu'on avait fait ça un peu rapidement. Ça va, je me suis couchée super tard hier, donc vraiment, le matin, pour moi, je viens de finir mon petit déj. Ah oui, d'accord. Non, moi, je suis levée depuis 5h30. Donc, le matin, il est loin, tu vois. J'ai déjà bu 3 cafés, quoi. C'est quand qu'on fait la toile? Bah justement, je voulais vous demander. Je sais pas trop si on la fait la semaine prochaine ou pas. Ouais. Ouais, c'est sûr, pour le sub goal, il faut des idées de départ. C'est clair. Coucou Choublabla, comment tu vas aujourd'hui? Et coucou Marguerite, ça fait longtemps qu'on s'était vus. Et Anthony, t'es là aussi, comment ça va? Comment ça va, comment ça va? Et bonjour Alice. Je sais pas, est-ce que vous avez des idées de sub goal? N'hésitez pas à partager. Ça va, merci, je joue à Disney Dreamlight Valley. Oh, fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ce jeu, moi. Mon mari, il y joue encore, mais moins qu'avant, quand même. Moins qu'avant. Attendez, hop, j'actualise ça, vite fait. Coucou Gigi, comment tu vas? Je suis contente que tu sois là. Comment vous allez? Je suis contente d'avoir le temps de regarder ton live, ça me manquait. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Ah là, j'ai hâte d'avoir mon petit bébé, mais très peur pour mon sommeil. Bah, j'imagine que tu dors déjà mal, Calypsie. Mais c'est vrai que... C'est le plus dur, je pense. C'est la privation de sommeil, c'est quelque chose. J'étais en train de regarder la rediffusion d'hier parce que j'étais au zoo. Ah oh, cool, t'es allée à quel zoo? Attendez, je vérifie des petits trucs. Je vais nous mettre de la musique et je vais nous mettre de la musique de Cowboy parce qu'on va jouer à Chestnut Ridge. Tac, 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 c'est là. Ok, bon, j'espère qu'on entend bien. Alors, il faut que je trouve un casque aussi parce que mon casque... Il n'y a plus de batterie et je sais pas ce que j'ai fait de mon chargeur. Je vais prendre le casque qui est là. Il est allumé? Ouais. Est-ce qu'on demanderait d'écrire les idées pour le prochain sub-goal dans le Discord? Oui, si vous voulez, oui, oui. Ça, t'es tout jolie dans ta robe. Merci beaucoup! Je me suis dit, je vais mettre une petite robe verte à fleurs parce que comme on va jouer à Chestnut Ridge, ça marche. Par contre, je sais pas s'il faut que je la porte comme ça ou s'il faut que je la porte comme ça, vous voyez. Je sais pas lequel est le mieux. J'ai l'impression que c'est quand même mieux avec les bras. En plus, j'ai trop de cheveux, donc on voit rien. Mais c'est mignon, en vrai, comme ça. Mais je pense que vaut mieux la porter comme ça. Je sais pas, vous allez me dire. Parce que moi, je suis pas très fashion. Hein. Je sais pas comment porter mes vêtements. Mais ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Tu as changé les points de chaîne, tu l'as fait quand? Avant-hier. J'en ai parlé hier. Ouais, j'ai changé parce que forcément, on commence à live pas mal. Et donc, du coup, c'est de plus en plus facile pour vous d'atteindre les petits objectifs, donc fallait corser un peu le truc, quoi. C'est quoi le concept de ce qu'on fait aujourd'hui? Ah mince, j'ai pas mis le petit hashtag on fait quoi? Attendez, je vais faire ça vite fait pendant que je vous explique. En gros, aujourd'hui, on va faire un petit rag to riches. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, tout simplement, notre sim a zéro sim flouze ou presque. Il est un peu dans la panade, quoi. Et on va essayer de de l'enrichir au maximum qu'on peut. Et du coup, on va jouer à Chestnut Ridge parce que j'ai pas trop eu l'occasion d'y jouer. Ah bah si, c'est bon, le truc, il est activé, là. Donc, ouais, du coup, l'histoire, c'est Harry Gardner, donc fils aîné du millionnaire Howard Gardner, décide de plaquer ses études de droit et renoncer à la fortune familiale pour vivre son rêve d'une vie simple, en pleine nature, entouré d'animaux. Avec 50 simflouz en poche et un sac de couchage, arrivera-t-il à s'en sortir? Voilà un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien, au fait? J'ai pas demandé, mais... Ah si, c'est bon, j'ai filmé ce matin et j'avais machiné mon micro. J'avais machiné mon micro, donc normalement, vous m'entendez bien. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Hop. Comme tu te sens... Comment tu te sens le mieux? Les deux sont très bien. Tu me parles de quoi? J'ai pas lu. Je voulais faire la valise maternité ce matin, mais je me suis rendormie dans les affaires de bébé et je me suis réveillée pour ton live, faut croire. La valise, si j'ai un conseil, ouais, fais-la, même si ça paraît tôt, il faut la faire. Il faut la faire, parce que on sait jamais ce qui peut se passer.
Et coucou à tous les nouveaux, merci beaucoup pour vos petits follow. Les épaules d'une vieille, c'est mieux, je trouve, mais ça risque de remonter. C'est vrai, tu trouves, tu préfères ? Sinon, tu laisses une épaule à l'extérieur. Ah oui, c'est de ça dont tu parlais, Alice. Comme tu te sens le mieux, les deux vont très bien. Je me sens riche d'un coup. C'est vrai, c'est... j'étais proche des 5000. Oups ! Ah non, mais il faut corser un peu parce que vous alliez tous me donner un mot interdit. J'allais plus pouvoir dire quoi que ce soit. Toujours une petite histoire avec tes Sims, un plaisir. Ouais, j'aime bien. J'aime bien leur donner un petit peu de contexte. Coucou gameuse, comment tu vas aujourd'hui ? Et coucou Sophie. Et coucou Orbria. Bienvenue, bienvenue. Le micro est nickel. Très bien. Le nouveau pack a donné... Ah, ça a remonté le chat. Le nouveau pack a donné envie à tout le monde de faire un rag to riches. Mais oui ! Mais vous savez que ça, j'avais déjà pensé à le faire depuis très longtemps. Mais je pensais le faire sur Twitch. Parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est sympa aussi sur YouTube. Mais je trouve que c'est sympa si c'est un peu plus interactif aussi. Donc du coup, j'avais trop envie de le faire sur Twitch. Et quand le pack est sorti, je me suis dit c'est l'occasion. Surtout que c'est au moment où j'ai commencé à restream. Et pile là, je vois que NS a fait un petit rags to riches un peu sur YouTube. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes et ils étaient très sympas. Donc moi, j'ai pas tout à fait les mêmes ambitions pour mon sim, même si en soi, bon, bah, c'est un rags to riches, quoi. Donc c'est un peu pareil, quoi. On va sauver Mini. C'est qui, Mini ? Ah oui, dans Disney Dream Live Valley, tu parles ? J'ai dû rester à la maternité après un rendez-vous sage-femme et ma valise n'était pas prête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est pareil, j'ai accouché pratiquement un mois en avance. Donc, ma valise était pas mal faite, mais elle aurait pu être peaufinée, quoi. 110 de points de chaîne, Anthony, c'est vrai, ça fait diminuer vachement vos nombres, dis donc. Ouais, non, parce qu'en fait, avant, la pub, c'était 1500, je crois. Et là, j'ai mis 2500, ouais. Et pareil pour les glouglous, c'est vrai que c'était chouette parce que vous m'en donniez souvent, mais peut-être un peu trop souvent. Et la save, voilà, elle était à 700 simflouz, maintenant elle a 1000 simflouz. Et le mot interdit était à, je sais plus, 3000 je crois. Et je l'ai passé à 5000. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai mis 30 000 pour le sub offert, mais c'est un peu cher quand même, faudrait que je baisse. Coucou Aaron, comment tu vas ? Coucou Sophie, comment ça va ? Et Anne, j'avais pas vu que t'étais là ! Oh, ça fait longtemps, comment tu vas aujourd'hui Anne ? Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait toujours plaisir de revoir des noms qu'on connaît. Bah, bien sûr, je sais qu'il y en a plein qui ne parlent pas, mais qui sont là assidûment, donc ça fait très plaisir aussi, merci à vous. Merci à vous les silencieux. Bon, du coup, on va passer en jeu. Vous entendez bien la musique ? Pas du tout, puisque je n'ai pas mis le son. Ah, vous me dites pas. Vous me dites pas du tout. ça va, merci Sophie, ça va. Ça va, et ça va aussi à Aaron, ça va, ça va. Là, vous entendez la musique, normalement. On va passer en jeu, du coup. Je vérifie, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. T'avais le ventre qui faisait blablab à force de boire, je te jure. Mais des fois, j'avais mon liquide qui était vide, quoi, tu vois. J'avais plus rien dans mon verre ou dans ma tasse. Donc, du coup, c'était un petit peu frustrant. Mais c'est pour ça que J'ai augmenté un peu les prix. Voilà, c'est l'inflation. Coucou, j'ai regardé les rediffs et j'ai entendu parler d'un CC Shopping. Ouais, je pense qu'on va se faire ça la semaine prochaine. Mais il y a plein de trucs que je voudrais faire la semaine prochaine. Je trouve que 30 cups pour le sub offert, c'est rien. Quand tout le monde arrivera à ce stade, ça va piquer. Oui, c'est possible aussi. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte en fait de combien de temps ça peut arriver et tout. Tu crois que je devrais mettre genre 50K, Clipsy ? Je sais pas du tout. Je me rends pas compte en fait. Et coucou Jérimès, comment tu vas ? Et coucou Romanos. Coucou Landro, comment ça va ? Comment tu vas ? Oui, 30K, c'est pas beaucoup pour le sub offert. Finalement, on y arrive très vite si on est sur les lives régulièrement. D'accord, ok, bah, je vais augmenter les prix. Merci les filles. Merci, merci. Qu'est-ce que je disais avant ça ? Je sais plus. Ah oui, pour le CC Shopping, ouais. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire la semaine pro. Donc, va falloir choisir, quoi. Il y a la peinture, il y a la soirée pyjama... Il y a le CC Shopping, il y a nos petites séries, donc celle-ci, le Rags to Riches. Il y a aussi In the Spotlight, qu'on n'a pas fait cette semaine. Va falloir choisir. Je bosse comme un yinche, c'est un peu déprimant, contente d'être là. Oh non, profite bien de ton dimanche, merci de le passer avec nous, avec moi. Mon avis, 100 000 pour suivre plusieurs streamers et être modo ailleurs. Ok, 100 000. Ok, on va augmenter les prix, alors vous n'êtes pas prêts d'avoir un sub offert. Coucou Valkyrie, comment tu vas ? Il a la sieste, le bébou ? Peut-être pas encore. Bientôt, peut-être. Ouais, merci. Merci pour vos conseils. Du coup, je vais changer ça. Ok, on va passer en jeu. Attendez, je vais me mettre sur une belle image de notre petit loulou, là. Qu'est-ce qu'il est beau, gosse ! Waouh ! Il va nous faire des beaux bébés, si on fait des bébés. Hop, là, je pense que vous voyez bien.
petit passage avant de partir pour ma garde. C'est trop gentil, Samy, tu passes toujours avant tes gardes, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. J'aime trop laisser ses shopping. Ouais, ça, je pense qu'on va le faire la semaine pro. Étroite pour la peinture. Mais oui, mais il y a trop de trucs à faire. Et je me disais peut-être que pour la peinture, vous savez, j'avais dit à Rob qu'il faudrait qu'il soit avec moi. Mais peut-être qu'il peindra pas et qu'il fera, genre, il jouera aux Sims ou je sais pas quoi. Du coup, ça nous ferait un peu un... plusieurs choses sur le live en même temps. Parce que sinon, juste peindre, voilà, c'est un peu... c'est chill, c'est sympa. Mais c'est sympa aussi s'il se passe autre chose. Donc, je peins un peu, on regarde Rob jouer. Après, je vous montre ma peinture, etc. Ça peut rendre le truc un peu sympa aussi, quoi. Surtout qu'il joue très très mal, donc on va vraiment se foutre de lui. Voilà, bon, il doit être en live. Love you. Salut Nanou, comment ça va? Imagine 100 personnes qui demandent un sub en même temps. Ça serait la pauvreté. Ça serait la pauvreté pour moi, ça serait la banqueroute. Rob joue aux Sims parfois, juste quand je lui dis de le faire, j'allais dire, c'est pas trop le terme, mais... quand je lui dis ça serait bien que tu le fasses, quoi, il va le faire. Il aimerait bien y jouer plus, mais par manque de temps et parce que je squatte toujours l'ordi, il va jouer à Disney Dreamlight Valley ou des trucs comme ça sur le PC portable, quoi. Parce que j'ai pas les Sims sur le PC portable. Prend trop de place. Franchement, avec tous les packs qu'on a, ça prend trop de place, quoi. Ça pourrait être marrant. C'est vrai qu'il est pas mal. Tu parles du Sims? Ouais, il est vraiment pas mal. Tu vas me faire ressortir l'aquarelle à l'occasion. Ben ouais, c'est ce que je me suis dit, ça serait trop cool qu'on peigne ensemble. Qu'on fasse de la peinture-lure ensemble. Vu qu'on a tous la même rêve, du coup, c'est le chat tartine, là, comme on l'a appelé déjà. Chat tartine. Chartine. Voilà, bon, bref, on va commencer notre petit rack story cheese. Alors, pour le contexte, pour ceux qui me suivent sur YouTube, Harry Garner, c'est le frère de Blair, sauf que ce n'est pas la même époque. C'est-à-dire que nous, on suit Blair, jeune adulte, à la fac, et là, à l'instant T avec Harry... Blair est encore adolescente au lycée, donc ça se passe avant ça. Donc quand on voit Blair avec son frère dans le Let's Play YouTube, son frère, il a déjà fait son rack story cheese, vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, on l'a pas encore vécu. Mais du coup, ça promet des crossovers intéressants quand on aura un petit peu avancé dans cette histoire, quoi. Le live peinture, il sera quand? Je sais pas, Alissa, j'ai pas encore fait mon planning. Je sais pas du tout. Quand ma maman pourra garder mon fils, du coup, pour que Rob soit disponible. Et coucou Noëlim, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va? Coucou Prune, j'avais pas vu, bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Voilà donc pour ça. Alors du coup, quand on check ses relations, bon, alors, au niveau des compétences, il a charisme et chant. Hein. Le mec s'est mis à chanter tout à l'heure dans son chant, on n'a pas compris pourquoi. au niveau des relations, donc, bah, il a Blair, voyez, c'est sa petite sœur. Qui est du coup, bon, ça, diplôme, hein, on va faire genre on n'a rien vu, puisqu'elle est encore... adolescente, donc elle va au lycée. Et voilà, ils s'entendent très bien. Elle est encore blonde à l'époque et pas décolorée blanc. Par contre, avec ses parents, comme vous pouvez le voir, ça ne se passe pas très bien. Ça a coupé, désolé, j'ai pas suivi. On n'est pas à la même époque que Blair, du coup. Non, Blair était adolescente au moment du Rack Story Cheese qu'on va faire actuellement. Alors que sur le Let's Play, elle est jeune adulte et elle vient de rentrer à la fac, quoi. Donc il y a quelques années d'écart. Voilà. C'est grave intéressant de jouer avec deux époques. Ouais, j'espère que je vais pas trop galérer quand je vais les faire... se rencontrer, quoi. C'est Liwatu Wuruwipu. C'est ça, oui, c'est ça, c'est vrai, patate tous. C'est ça, le nom de la toile. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, il s'entend pas très bien avec ses parents. Ils ont pas du tout bien pris le fait que bah, il ait envie de voler de ses propres ailes et d'aller s'installer bah, en pleine cambrousse avec 50 simflous en poche pour poursuivre sa passion de l'équitation. Non, c'est pas l'équitation, vraiment, ce qu'il a envie de faire. Lui, c'est le vin. Vous voyez, il adore le vin, il a été habitué à en boire beaucoup dans les milieux mondains, etc. Il a toujours eu un nez très fin pour ces choses-là, et il a envie de créer son propre vin, et de vivre de ça, quoi, de vivre de sa passion. Donc forcément, ses parents sont en mode, tu vas continuer tes études Il faisait quoi? D'avocat? Tu vas continuer tes études d'avocat? Et il a dit, bah non, bah, je me tire, et puis je renonce à l'héritage, et puis voilà, vous vous débrouillez. Comment tu as fait pour avoir les deux époques? Mais j'ai juste rajeuni la famille et je l'ai mis dans une autre save, tout simplement. Je bois du vin et non du thé. Je bois, tu me dis, j'imagine? Oui, je bois du vin, oui, c'est ça. mais ouais, et du coup, en fait, ce qui a accéléré sa décision de partir de San Mifuno, c'est qu'il s'est séparé de sa petite amie, Suha. Et bon, bah du coup, c'était le moment parfait pour changer de vie, puisque la seule chose qui le retenait vraiment à San Mifuno, c'était sa petite sœur, adolescente, qui allait finir par... par voler de ses propres ailes. Ouais, j'ai compris, Calypso. Donc, voilà où on en est. Donc là, il vient tout juste d'arriver sur son terrain que j'ai un petit peu modifié. Donc, j'ai mis une cabane du débogage. Et on a ici bah, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse dormir, prendre une douche,
faire ses besoins et se graille un petit truc. Donc il est arrivé dans sa voiture et il a sorti ses bêtises comme ça là. Trop belle la petite cabane. Elle est trop mignonne. Hein. En fait, j'aimerais bien dans l'idée la reproduire, mais comme s'il l'avait retapé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je crois qu'au niveau des murs et tout, ça correspond pas trop. Mais bon, ok, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous. Je voulais juste voir. Ouais, voyez, les murs sont un peu plus hauts, mais en vrai, ça peut se faire. Oups, qu'on essaie de reproduire un petit peu cette cabane. Et après, petit à petit, on agrandit jusqu'à avoir une maison. Ça serait stylé, je pense. J'adore les let's play où on part de zéro. Moi aussi, j'aime trop et j'en fais jamais. Donc, c'était l'occasion. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, j'allais dire, c'est quoi ça? Sinon, sur les autres terrains, bah, j'ai rien mis. Ça, c'est le terrain, vous savez, de base. Ça serait bien qu'il soit tellement riche qu'il finisse par aménager ici, qu'il ait une grande propriété avec des vignes et tout. Merci, Léa! Merci pour le sub, merci beaucoup, 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 c'est trop gentil. Merci, bienvenue. Bienvenue parmi les Capanzors avec leurs petites manettes de jeu, merci infiniment. Et du coup, ouais, j'aimerais bien qu'ils vivent sur le grand terrain à l'avenir. Et puis là, bah, c'est les petites maisons du jeu par défaut. Je peux vous montrer vite fait la map. C'est ici, oui. Sur le coup, j'ai eu un doute, je me suis dit, attends, c'est pas ici. Merci beaucoup, hein, Léa, c'est trop gentil, merci. Voilà, et du coup ici j'ai, bah non la boîte de nuit elle y est, j'ai mis un petit restaurant, voilà là, le Chestnut Ridge Restaurant, et là j'ai installé des gens, sinon j'ai pas trop modifié, je pense qu'on modifiera au fur et à mesure du let's play aussi, c'est juste ça que j'ai fait, je vous montre vite fait parce que j'aime trop, t'inquiète Elisa, bonne journée, bonne continuation, merci beaucoup d'être passée, et attendez, il y a tout qui a disparu de mon terrain ou je rêve, c'était pas comme ça? J'avais fait des trucs au sol, non? J'ai l'impression que c'était pas comme ça quand je suis venue la dernière fois. Bref, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis des trucs du débogage un peu partout. Et au milieu, en fait, il y a un vrai magasin qui est en piteux état et tout. Et j'aimerais que du coup, quand il a un peu de sous, il l'achète pour vendre son vin ici. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis là, voilà, il y a de quoi substanter pour les chevaux et tout. Voilà, je savais pas trop quoi faire de ce terrain, donc je me suis dit que c'était plutôt pertinent, mais par contre j'aime pas trop le... Va falloir que je modifie un peu le sol là, ça fait un peu tout nu, c'est tellement une bonne idée. Ouais, ça vous plaît? Voilà, je me suis dit ça, alors du coup le terrain je sais pas combien il coûte, 14 000, et en vrai ça va. Ouais, parce que du coup comme c'est des trucs du débogage, c'est pas trop cher, mais du coup quand il aura assez de sous, bah il s'achètera ce terrain là. Et mais du coup attends, ça voudra dire qu'il devra déménager ici? Mais non, on le mettra en mode magasin. Et ouais, il pourra l'obtenir en magasin. Voilà, on fera ça. Et du coup, bah, faudra tout qui nettoie, tout qui retape et tout, pour pouvoir vendre son petit vin ici, au milieu des autres commerces de la ville. Voilà, c'était un peu... c'est le plan. Bon là, on va dire qu'il est passé dans la ville, il s'est dit « Ah, j'ai repéré un magasin à vendre, ça serait bien que je puisse l'acheter un jour, mais on sait pas trop quand quoi. » Hop, voilà. J'aime beaucoup cette idée. Ah bah je suis contente. J'adore, je ne pense pas assez à utiliser le débogage alors qu'il y a tellement de jolies choses. Bah disons que là, en fait, je me suis dit « Mais comment je vais meubler ?» ce terrain, tu vois, parce que moi je voulais juste une toute petite boutique. Donc je me suis dit comment on peut faire ça pour que ça rentre bien, quoi. Et du coup, la seule solution c'était de mettre d'autres trucs du débogage autour pour que ça soit pas vide, quoi, totalement vide. Voilà un petit peu. Donc on va pouvoir commencer et je sais pas par quoi on commence. Comment on gagne nos premiers sous? Je pense qu'on va aller, je sais pas, pêcher ou un truc comme ça. Là il y a déjà 5 ans, donc en vrai il est pas mal. Il a de quoi voir venir quand même. Je sais pas si on commence par se présenter aux gens, je sais pas ce qu'on fait. Attendez, je vais mettre mon casque déjà, parce que depuis tout à l'heure, je n'entends rien. Pas grand chose à entendre. Ah si, il y a la musique quand même. Hop, ça me fait bizarre d'avoir ce casque là. J'entends rien. Hop, voilà. Alors, là, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il peut jouer dans l'eau, chercher des grenouilles, il peut pas pêcher parce que... Les Sims ne peuvent pas pêcher ici qu'une fois les temps peuplés avec des poissons. Placer un panneau pêche. Ah ouais, j'aurais pu faire ça en vrai. Un petit panneau pêche. On les trouve où les panneaux pêche? Hein. Mais ça coûte peut-être des sous. Ça coûte peut-être des sous. Non, ça coûte... Ah si, ça coûte 20 simflouzes quand même. Ça coûte 20 simflouzes, mais bon. Ça les vaut. Ça les vaut à mon avis. Hop. Et là, si je clique, gérer les poissons de l'étang. What the heck? Oui, c'est très bien. Là, du coup, je peux pêcher. Non? Il faut que je le mette dans l'eau directos? Peut-être.
Ouais, c'était ça. Celui du bogage est gratuit, je crois. Ouais, j'ai eu la flemme de chercher dans le débogage, j'avoue. Mais on va dire qu'il s'est acheté un permis de pêche. Il s'est acheté un permis de pêche, tu sais. C'est pas que je l'aimais pas, Calypsis, c'est que je trouve pas. Il est déchargé, je trouve pas mon câble pour le charger. Du coup, j'ai pris celui de mon mari. Tac, tac, tac. Attendez, je regarde un truc, désolé. Capin, ça a toujours les meilleures idées, c'est pas étonnant. Merci, Gigi, c'est trop mignon. Hop, voilà, ça c'est mis. Hop, désolé, j'avais quitté le deuxième écran. Ça fait un petit écran noir, c'est chiant. Voilà, alors, j'ai regardé un petit peu vos messages. Part du jardinage ou la pêche. Ouais, je pense qu'on va pêcher, tranquille ou bilou. Ce serait pas mal. Je sais pas si on peut vendre nos poissons dans la petite boutique. Je n'ai pas de son du jeu. Je vais péter un câble. Vous l'avez le son du jeu? Attends, on va le faire chanter. Si, je crois que j'ai du son. Si, j'ai du son. Il y a le son du jeu. T'inquiète, Céline, merci beaucoup pour le lurk. Ok. Mais non, il n'y a pas de son. Mais ça va me faire péter un crâne, ça. Il y avait du son tout à l'heure, j'ai tout vérifié. J'ai tout vérifié avant de commencer le live. Je me suis dit, ok, c'est bon, on a du son, on a tout. Audio. Tout est à bon, là, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Voilà, hein. Bah attends, on va le savoir de suite. Hop, et je passe en mode construction, on va le savoir direct. Un jour, mon prince viendra, et un jour tout fonctionnera. Ça me casse les couilles. Ça commence les insultes. Merde, attendez, faut que je sauvegarde. Ça commence les insultes parce que ce jeu... Putain, mais je fais n'importe quoi, ce jeu de merde. J'ai enlevé l'audio là, de la musique? Non, ça j'en veux pas. Hop. Je vais regarder dans mon mélangeur. Ouvrir le mélangeur de volume. Les Sims, c'est à fond. Refais du son. Hop. Enfin, j'ai entendu le bruit de la canne à pêche. C'est vrai? On entend? Ah, mais vous entendez? En fait, c'est juste moi qui suis sourde comme un pot. Bah, ça m'arrange. Ça m'arrange. Si vous entendez, c'est très bien. Moi, je suis sourde. Pas grave. Moi, j'entendais pas la musique quand je suis passée en construction. Bon, bah tant mieux si vous entendez. Le retour de la malédiction du son. Non, mais je te jure. C'est... Mais si vous entendez, tant mieux, tant mieux. Ah oui, j'entends, ok. Purée. J'ai jamais eu la patience du Rags to Riches. Bah, tu sais, je suis pas sûre d'aller au bout, Marguerite. C'est pour ça que je le fais en live. Parce que je me dis que je le ferai tout seul de mon côté, j'irai pas au bout. Ok, très bien, vous avez du son. Ouf. Non mais tu vois, je m'habitue au pire. Du coup, je suis partie du principe que si j'entendais pas, c'est qu'il y avait un bug, pas que j'étais sourde comme un pot. Ça me goûte dessus. Ah. Ah oui, il y a du son, en effet. Bah roule-lui pas une pelle à ton poiscaille non plus. C'est combien ça, un bar 19 simflous, c'est pas mal. Je vais essayer d'aller les vendre à la supérette, comme ça il va rencontrer des gens en même temps, ça peut être cool. Le son est faible. Ouais. Le son est faible, c'est ce que je me dis. Oh, c'est... Pourtant, tu vois, il est à fond. Il est à toute berzingue. Si j'augmente... Non, bah c'est bon, tout est à fond à part ça. Hein, mais ça, c'est la musique. Donc on s'en fout, en fait. Oups. Bon, après, ça va. Si on entend un peu, c'est bon. Twitch RAM. Ah ouais. Il n'y avait pas de musique en construction, mais je crois que je l'ai pas non plus. Sûrement un truc qu'on a désactivé. Ah, bah tant mieux, de toute façon, la musique du jeu, elle pète les boules. Honnêtement. Honnêtement, trop chiant. Bon, il va pêcher un peu, là. En vrai, il est super tôt. Enfin, je sais pas si c'est la première chose que je ferais quand j'arrive dans une nouvelle ville, c'est pêcher dans mon petit lac, mais bon, pourquoi pas. J'aurais pu le découvrir aux alentours et tout ça. Après, son poisson, là, le bar qu'il a, est-ce qu'il peut le faire griller ou pas? Oh merde, j'ai fait récolter l'herbe de prairie. Griller? Pourquoi on peut pas faire griller le poisson, c'est nul. On est tellement habitué au problème que c'est pas normal si tout fonctionne. Ah bah oui, non mais moi j'entends pas, je me dis bon. Où est-ce que je check? De toute façon, je vais le faire chanter comme ça, on va voir si on l'entend bien. Bah, tu vois là le téléphone, j'ai pas entendu. Il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au bar à cocktail, cela vous dit d'aller voir. Mais qu'est-ce que tu nous veux toi? On est parti.
Tu peux pas nous récupérer. C'est trop tard. On a tourné la page. Pas totalement, mais bon. Ouais, c'est satisfaisant, tu trouves, Anne ? Bah, si j'arrive au bout, je serais satisfaite, ouais. Si j'arrive au bout. Je compte sur vous pour ça. Je vais peut-être accélérer un peu parce que là, il met 10 pieds à pêcher, le gars. On dirait que les poissons sont trop malins pour Harry. Essayez de pêcher ailleurs. Ok. Si, on peut peut-être pêcher. Là, il y a peut-être des trucs pour pêcher. C'est trop beau. C'est beau, non ? Vous aimez bien cette map, vous ? On peut même pas pêcher ici, en vrai. Oh, il est réveillé depuis 24 heures. Nous ment pas, hein, pas à nous, hein. C'est dommage qu'on puisse pas se baigner ici, ça fait une petite plage. C'est trop mignon. Il faut deux poissons pour pouvoir les griller. Il faut plusieurs poissons. Ah ouais ? Oh, une petite voiture, là, trop mimes. Ça, c'est trop nul qu'on peut pas pêcher ici, là. Ça sert à quoi, ça ? Hein ? Hein ? Et là, attends, il y a quelqu'un à cheval. Oh purée, il est pas doué, hein. Il est pas censé avoir un super niveau, lui. On va faire une présentation de Cosim. Je sais pas s'il est loin de nous ou pas. Ça va, ça va. Vas-y, tu peux pas ? Ah, on peut pas se présenter quand on est à cheval. J'avais pas du tout. J'avais pas du tout. Bonjour Capon, bonjour le chat. Coucou Justine, comment tu vas ? Comment tu vas ? Elle est belle de ouf, hein, la map, je te jure, hein. En plus, avec le Richard, les couleurs, elles ressortent trop bien, je trouve. Ça pète de ouf. Et là, ici, on peut pas pêcher. On peut pêcher nulle part. Par contre, il y a plein de people, mais c'est pas des people d'ici. Gabriel Rousseau. Bah, moi, Gabriel Rousseau. Mais Prescott, on est en vacances ? Retourne au lycée. Et toi ? Marcel Price ? C'est lycée aussi, ça, non ? Ils sont nuls, là. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Je regarde un peu s'il y a des choses qu'on peut... Oh, oh ! Ça, c'est des grenouilles, non ? Oh, c'est... Les grenouilles, ça me saoule un peu, mais bon. On va faire les grenouilles, hein. On prend l'argent là où il y en a, hein. Et je crois qu'il peut, de toute façon, prendre des grenouilles ici, aussi. Chercher des grenouilles. Ouais, déjà, on va faire ça. Hop. Je préfère la partie haute de la map. J'adore le terrain haut. Ouais, c'est vrai que c'est cool aussi. C'est un challenge que tu as inventé. C'est pas du tout un challenge, vraiment. Enfin, c'est on va faire un rag story cheese, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais, putain, les chaussures dans l'eau. Tu vas avoir plein d'eau dans tes chaussures, là, dans tes Santiago. Mais c'est un truc très, très connu sur les Sims. Le rag story cheese. Et là, c'est comme ça que tu cherches les grenouilles, sérieux ? Et là, on fait un peu à notre sauce, quoi. C'est juste pour l'idée, quoi. Il a pas de sous et on veut qu'il ait des sous. Voilà. Il n'y a pas de règle. À la grenouille, il pouvait pêcher. Ah bon ? Où j'ai vu la grenouille, là ? Il a trouvé une grenouille tournesol. Ça se vend bien, les grenouilles, ou pas ? On va aller voir ça. Attends. C'est où que j'ai vu la grenouille ? Alors, il faut savoir un truc. J'ai aucun sens de l'orientation. Donc quand je suis sur le haut de la map, justement, celui que vous aimez bien, je me perds. C'est-à-dire que je me perds. Oh, il y a un panneau ici, là. Faudra qu'on s'en rappelle. Je n'ai aucune idée où il est. Il est là ? Oui, il est là. Alors attends, il est où mon... Je n'ai vraiment aucun sens de l'orientation. Et franchement, sur les autres maps, ça va à peu près. Peut-être parce que je les connais par cœur. Mais sur celle-ci... Ah voilà, c'est là. Je me perds tout le temps. Ah oui, on peut pêcher. Alors c'est où ? Ah bah c'est là. Bon. Bah. Il va venir chercher une grenouille là, puis on va repêcher un peu ici. Et puis après, dans l'après-midi, on va essayer d'aller vendre tout ça, quoi. Oui, c'est le G-Shade que j'utilisais aussi, il est incroyable, mais depuis la mage, il ne fonctionne plus sur G-Shade, j'ose pas télécharger G-Shade. Vous parlez de quoi ? Le Else ? Il marche... G-Shade, c'est bien, hein ? C'est bien, Gigi. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir des virus ou je sais pas quoi. Mais en vrai, quand tu sais comment télécharger un truc, ça va, hein, je pense. Tu fais gaffe et puis... Enfin, il n'y a même pas à faire gaffe en soi. C'est juste tu cliques pas sur n'importe quoi sur les liens et puis c'est tout. Mais ça fait... Enfin, ça tourne mieux. Je sais pas qu'est-ce que t'as comme PC, Gigi. Mais en tout cas, ça tourne mieux sur PC. Ça serait bien si EA pouvait créer un Rikiki de chaussures et coiffures. Ouais, un Rikiki de CUS, quoi. Sur quel thème, du coup ? Sur quel thème ? Parce qu'ils en font déjà des coiffures, chaussures et tout. Ou tu veux dire spécialement chaussures et spécialement coiffures ? Mais je pense qu'il leur faut un thème comme d'habitude. Il a... Ah, Harry se sent à sa place au bord de l'eau. Ah bah tant mieux. Par contre, attends. C'est pas ça que je voulais faire. Il a pris deux grenouilles tournesol. Ok. Et ça, on peut voir combien ça vaut là. Arrête, je veux pas faire reproduire. 30. 30. Mais attends, c'est insolite et c'est 30. Bon, tu me diras, il est tellement pauvre que ça va. Et ça, 19, ok. Pourquoi il a ça dans son inventaire ? Mais trop bien ! Ça sort d'où ?
Mais ça sort d'où? Je sais pas d'où ça sort la bouffe là. Et merci beaucoup pour les follow, merci à vous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Merci Sélénée. Enfin bonjour Sélénée et merci, merci Justine. Comment ça va Sélénée? J'avais pas vu que t'étais là. Fais-les reproduire les grenouilles. Ouais, ça apporte des sous ça? Spécial chaussures et coiffure. C'est les voisins qui ont dû apporter ça en effet, ouais. Mais on les a pas vus. Si je les fais reproduire, je fais plus de sous? Ah ouais, ça en fait une de plus. Bah oui, logique. Je suis pas très affûtée, hein. Du coup, elle fait 30 aussi. Ok. Il a déjà fini de pêcher, là? Il a repêché un truc ou pas? Il a repêché un poiscaille? Non. Bah alors là... Il en faut au moins deux, on veut manger ce soir. Quoi qu'on a du pan de Porto, maintenant? C'est pas Porto, attends. Pan de Campo. Coucou, Evertime. Comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? T'es toujours en vadrouille? Oui, du Géchet de Elzor. Je sais pas, j'ai vu des gens dire que Géchet était à éviter. Je t'avoue que j'ai pas cherché plus loin. Avant, je faisais marcher sur Géchet, mais maintenant, je ne peux plus. Bah, ouais. Moi, en tout cas, j'ai aucun problème avec Géchet. Après, je l'avais installé avant la polémique, si j'ose dire, du virus. Mais en les reproduisant, tu peux en trouver des plus chers. Ah, c'est cool. Ok, merci, Céralina. J'utilise jamais les grenouilles, donc j'en sais rien. J'en savais rien. Allez, ça pêche, ça pêche, ça pêche. Oh purée, ah c'est un bout de bois. J'allais dire oh purée, il a chopé un gros poisson. Du coup là, il est au niveau ouais 2. En vrai, il va peut-être commencer à choper des meilleurs trucs. Hein. Ça serait cool. Ça serait cool. C'est quoi l'objectif du jour? Combien de sous? Ah ça y est, plus rien ne va là. Il est en train de péter un crâne. On va aller manger un morceau. Alors en plus, on n'a pas de frigo. Ça périme dans 3 heures. Ah ouais, non, il va falloir qu'il bouffe maintenant, hein. Pas perdre ça quand même. Ouais, c'est clair, c'est le nez. Hein. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça va et toi, Mathéo? Ah, 8 simflouzes. Oh, c'est pas terrible. Mais bon, on en voulait deux, on en a deux. On va rentrer au grand. Attendez, je suis perdue. Non, c'est juste à côté. Pourquoi tu te perds? Donc là, on peut faire griller un truc. Pas du tout. On va aller les vendre, nos poissons tout nuls, là. Attendez, je vais le téléporter parce qu'il va se pisser dessus sinon. Et c'est chiant. Voilà. Hop. Utilisé. Par contre, le problème avec cette petite toilette seau là, c'est qu'une fois que c'est utilisé, ça schmoute. Hein. Ça schmoute direct. Ça schmoute direct. Objectif 300. 300 simflouzes. Ok. Ça va, il est 15h30. On est à 30 simflouzes. Hein, tu nous mets pas la barre trop, Aurélia. 2K minimum. Mais Gigi 2K, tu veux qu'il fasse quoi? Non mais c'est bon, il va aller faire payer ses prestations, hein? Sexuelles, à ce rythme-là. Ça c'est... Ah, on peut prendre une douche? Ah mais oui, c'est vrai, j'ai pas souscrit à un truc d'eau. Donc en soi, il peut pas. Mais ça coûte trop cher aussi. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'avoir de l'eau. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, il va manger un truc. On va... prendre une portion, on va même en prendre deux ou trois parce que sinon ça va être perdu ça. Ah oui, mais croque un truc quoi. Assieds-toi sur ton petit trône là pour manger. Mmh. Ah, la belle odeur. Mmh, agréable. Je suis d'accord avec Gigi, mais vous mettez la barre trop, 2K. Qu'est-ce qu'il va faire quoi? Il va s'inscrire sur une appli de rencontre, il va proposer son service d'escorting là. Rencard Mitsim, allez hop. Je live pas demain, Elims. Je live pas parce qu'il faut que j'avance sur mes vidéos YouTube. Et je dois aller faire des photos d'identité pour mon fils, pour son passeport. Donc, puis il faut que je fasse mon ménage. Grosse journée. Qu'est-ce qu'il fait? Non, l'achat. L'achat, mange. Donc, mardi matin, je pense. Mardi matin, on fera peut-être le CC Shopping, du coup. Mais demain, ouais, non. Je vis dans le vrai monde demain. Hop. Il y a peut-être des mamies cougars dans le coin. Mais c'est vrai, hein. Il n'y a pas beaucoup de mamies, je crois, ici. Si on était à Enford on Begley, on serait allé voir la vieille au sac, là. Le panier de pique-nique de vie à la campagne est comme un frigo. Ouais, ben, on verra quand il aura un peu plus de sous. Là, on va aller vendre nos poiscailles. Et alors, le but aussi, ça serait trop bien d'avoir des animaux un peu de tout, quoi. Des moutons, des vaches, des trucs et tout. Qu'il soit vraiment... il a son propre jardin aussi, comme ça, il vit vraiment de... De lui, quoi. Il vit vraiment de lui. Allez, je vais me coucher. Vous avez compris. Il s'auto-gère.
Imagine, tu joues à la loterie et elle gagne. Ça serait incroyable. J'aimerais trop. Je sais pas quand c'est la loterie. J'espère que c'est bientôt. C'est quoi ça? Journée de la nouvelle compétence. Mais je sais que je le dis à chaque fois, mais ça me saoule ça. Je m'en fous de l'équipe de football américain ou de l'équipe de Pom Pom Sim. Mon Sims, il a genre 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des lycéens? C'est nul. On devrait, quand on n'a pas de lycée, quand on n'a pas d'ado dans notre foyer, on devrait pas avoir ça. Imo. Alors la journée de... Ouais, c'est pas tout de suite a priori. La journée de la loterie. Dommage. Merci Samy, bon dimanche à toi aussi. Il peut se faire des amis et demander des petits prêts aussi. Ouais, il va falloir qu'il augmente son charisme. Hein. Il vit vraiment de lui. Le don de soi. Le don de lui-même à lui-même. T'as pas capté, mais c'est ça. C'est philosophique. Ok, il a bien mangé là. Il a besoin de social. On va aller vendre notre poisson. Parce que j'ai envie d'être RP et pas le vendre dans le... Elle nous appelle notre ex encore. Waouh. On est parti vivre ailleurs, hein. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. On reviendra pas. Quoique, c'est un cœur tendre. Surtout que ça prend une place énorme dans le calendrier. Mais c'est ça, on voit que ça. On voit que ça, donc c'est un peu chiant. Le capandien, une langue à part. Il faut le parler. Il faut le comprendre. Il faut le vivre pour y croire. Ça, par exemple, c'est très capandien, ce que je viens de dire. Hello, passez au centre équestre. Tu vois, elle. Elle est là. Elle. Je les vois bien ensemble. Je dis ça, je dis rien. Je les vois bien ensemble. Il serait trop mignon. Mais on va pas forcer le destin, on verra bien vers qui il va. Hein. En tout cas, là, il est mal à l'aise parce qu'il a chaud. Est-ce que t'as une tenue temps chaud? Est-ce que je t'ai fait des tenues temps chaud? J'ai oublié complètement cette partie qui est prête depuis 2 semaines. Hein. C'est la même. Tu es déjà en tenue temps chaud, alors? Abruti. Ouais, c'est ça, il est en tenue temps chaud. Oui, c'est toutes les mêmes tenues. Bah oui, il a pas 14 tenues non plus, quoi, le type. Il a pas de valise, hein. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une valise sur le terrain. Pas trop chaud, ce chaud... À chaud, ce chaud. À chaud à cause de la température. Bah ça, on peut rien y faire, hein. Tu es déjà en tenue d'été, voilà, voilà. Donc, on va aller vendre nos trucs. C'est là. Vendre des produits. Tac. J'espère... Attends, le pan de Campo, là. Il a pas tout mangé, ce que je lui ai donné? Ah si, c'est les assiettes vides, ça. Oh, purée. Il en reste 5 et ça périme dans 1 heure. Tu veux pas te péter le bide un peu? Mais, hé, elle est accro à nous, elle. Elle est accro à nous. Mon voisin prétend que l'été du festival Frasque et Humour vous font briller comme un extraterrestre. Et si on allait vérifier? Mais non, pas ok. On a quitté San Michuno. C'est trop tard. Tu nous as brisé le cœur. On est parti. Tu votes quoi pour mercredi? Evertime? Pour les CC, tu parles? Il est dans le même état que nous, je te jure. Il y va là, hop. Il fait tellement chaud. J'aime bien comment tu lui parles. Bien, ça, les mêmes gâchettes que toi, mais mon jeu, il ne rend pas pareil que toi, je ne sais pas pourquoi. Ah, je peux pas te dire, Juliette. Alors, ça, ça. 27, hein, on est loin des 2K. Et on peut pas vendre les grenouilles? Achetez mes grenouilles! Non! C'est trop nul, pas vendre les grenouilles. Ouais, j'ai commencé aujourd'hui, Paris la nuit. On vient tout juste de commencer, là. 14h, just me. Je vais les vendre comme ça, et on va faire genre les a vendus dans la boutique, hein, vu qu'on y est, là. Hop, c'est bon. 147. Planning des streams. Mais je suis là mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, la semaine prochaine, je pense. Vous voulez voir mon planning? Attendez, je vous montre. Mais je suis pas sûre que on fasse vraiment ça. Je vous montre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a peut-être des modifications parce que du coup, comme on a atteint le sub goal, il faudrait que je vois si on fait le sub goal, si qu'est-ce qu'on fait quoi. C'est ça mon planning. C'est ça que j'ai prévu pour le moment. Attendez, j'ai mis le jeu en pause ou pas? Parce que la meuf est bête, oui c'est bon. La bête est meuf. mais ouais, du coup c'est ça là pour l'instant, le planning. Acheter une table de vide-grenier et vendre 300% plus cher. Ouais, mais... Ouais, il faut qu'on économise pour une table. Mais du coup, il faut qu'on installe un terrain. Faut qu'on installe un terrain où ils peuvent faire vendre des trucs de marché, quoi. Que ça sorte pas de nulle part.
On dirait l'ex de mon Sims qui est revenu de nulle part pour lui demander de l'épouser alors que leur relation était dans le rouge. J'ai pas compris. C'est trop bizarre, hein. Après, c'est réaliste, tu vois, parce qu'il y a des fois où bah, tu quittes quelqu'un ou la personne te quitte et d'un coup, elle revient vers toi, t'es en mode, mais tu voulais plus de moi. Hein. Le dimanche au magasin, ça coûte plus cher. C'est vrai, ça? C'est vrai, c'est vrai? C'est quoi le challenge? Je viens d'arriver. C'est un rack story cheese. On est pauvre, on essaie de devenir riche. C'est le 20, pas le 21, plutôt non. Tu me parles de quoi? Mais c'est le planning à partir de demain. De demain à dimanche. Mais si tu veux, on peut mettre du 20 au 27. Mais du coup, il faut que je rajoute aujourd'hui. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais voilà un peu, je sais pas, ça risque de changer, surtout samedi, si on fait le live peinture, je sais pas. Mais du coup, je sais pas quand mettre le in the spotlight. Bref, de toute façon, je vais vous le poster un peu partout, dans le Discord, sur mes réseaux et tout, donc on retrouvera ça. Il est parti faire quoi? Explorer. Quoi? Mais il prend des libertés, lui, j'y ai pas dit d'explorer. Ah si, il est dans le shop, c'est ça? Il explore le shop. Pas grand-chose à explorer dans le shop, hein. Je serai au travail, mais je serai en lurk. Merci, Céline, t'es trop mignonne. Le seul truc du mode vie que je connais. C'est quoi le seul truc de mode vie que tu connais? Non, j'avais pas compris, je pensais que le planning commençait aujourd'hui. Bah oui, enfin c'est pareil du coup, mais j'avais pas mis ce que je faisais aujourd'hui, puisqu'on y est là maintenant. voilà. Bon, comment on gagne 1500 simflouz maintenant? Hein? Vous y avez pensé à ça? Est-ce qu'il y a des trucs à loot et tout, là? C'est trop beau ici. Hein. Oh, j'avais jamais vu par là. Oh, c'est beau. J'aime bien les petits parterres comme ça. C'est chou. J'ai trop hâte qu'on ait un cheval. Oh! Acheter des graines. Non, je voulais piquer des trucs, moi. Il n'y a pas des arbres quelque part où on peut piquer des graines, justement? Est-ce qu'on peut proposer nos services pour quelque chose? Tiens, on va faire une petite mission communautaire. Ah, dresser un cheval. Bah puis le reste, voilà, on sait pas faire. Hein? Dresser le cheval d'une personne du quartier. Mais t'imagines, on y va? Que tu peux vendre plus cher le dimanche. Ah, d'accord, merci Lucie. Je sais pas combien peut nous rapporter une petite chèvre. Ah ouais, si on vend sa laine et tout. Par contre, on peut l'acheter là, la petite chèvre. C'est 150, non? Bon, on est à 3 simflouz près, quoi. Mais attends, je me demande trop si je décide de dresser un cheval, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Non, c'est nul, allez, attends, on va pas commencer à faire des conneries, hein. Oh, attends, il a l'air énervé, mais c'est pas grave, on va faire une petite présentation parce qu'on n'a pas d'amis. On se sent un petit peu seul. Oh ma gosh, il est très énervé. Il ose pas y aller, hein. Harry, il se dit, putain, je vais peut-être le laisser filer. Parle-lui, Harry! Oh, pruti. Parle-lui! Ne le laisse pas filer. Merci, Juliette, merci beaucoup. Ça serait trop chou. De quoi? Ah oui, rapporter la petite chèvre, ouais, ça serait chou. Mais je suis pas sûre. Attends, je regarde combien ça coûte. Mais il est tout bugué, lui. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Tu peux arrêter? Merci. Les votes, ok. 150, ouais. Donc, il nous manque un peu de sous. Mais je sais pas si ça vaut le coup à terme. Surtout que là, il faudrait peut-être se concentrer sur avoir une petite habitation, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Donc, ouais, là, l'objectif, c'est les sous, mais c'est aussi rencontrer des gens, parce que, bon, ils connaissent son père, quoi. Il n'y a rien du tout à looter, là, hein. C'est qui, ça? Arthur Hoffman. Présentation. On peut pas faire une présentation de Kausim? Ah, si. Eh, on a Chestnut Ridge ou on n'est pas Chestnut Ridge? Arrête de faire ça. On est à Chestnut Ridge, la nouvelle ville du nouveau pack. Ah, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est? Au tout début, on essaie de se faire un peu de fric, là. Being like, je te jure! Oh, il y a notre petite sœur qui nous appelle. Écoute, on a besoin d'un endroit où dormir quelque temps. Peux-tu nous loger? Je déteste ce jeu. Non, je ne peux pas te loger. Arrête de faire ta crise adolescente. Reste avec les parents.
Je peux pas te loger. Peut-être un jour, mais là, pour l'instant... Yeehaw ! Regardez, il est trop cool. C'est moi qui l'ai installé, ce petit sim, là. Mais pourquoi ils sont tous en colère dans cette ville ? Eh, faut se détendre le fiac. On va raconter des ragots. Demander comment acheter un cheval. Non, ça, c'est pas nécessaire. Se renseigner sur la community. Et tu peux pas nous payer un coup demander un petit prêt, tout ça, tout ça. Comment tu me trouves ? Sinon, comment tu me trouves ? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Sur le petit terrain devant le magasin, il peut peut-être se mettre une petite table de vente. Ouais, c'est vrai. Mais là, pour l'instant... Ah ! La table, on se la fout aux fesses. Quoique peut-être... Hey, pour rappel, c'est ouvert. Mais elle fait que de me parler, elle. Elle fait que de me parler. On va venir te saluer, hein, Juniper. Ah, mais c'est Juniper, ça ? Attends, je confonds. Il y a Juniper et il y a Sienna. C'est ça, l'autre, non ? On va faire présentation amusante. Je confonds. Elle est où ? Ah putain, elle est partie là. Ouais, ok, c'est pas les mêmes. Elle est plus jeune. Ok. Et ça, c'est un type de... Ouais, d'accord. Pourquoi t'es là, on sait pas. Trop chiant. Faut que je télécharge un mode qui les laisse dans le même, dans leur ville, dans leur monde là, parce que ils sont trop chiants à bouger. On va avoir un vampire, on va pas savoir pourquoi t'es là. Alors moi, je comprends pas. Jamais je n'ai eu d'appel d'un inconnu pour venir dormir chez moi. Moi non plus. Jamais. Le mec là, je sais plus comment il s'appelle, le blond, qui vient avec grandir ensemble, je l'ai jamais vu non plus. Enfin, je l'ai vu, mais pas dans... il n'a pas demandé à dormir chez moi, quoi. C'est aléatoire. C'est comme le... la loterie. Bon, c'est cool, il commence à connaître des gens, il a un sentiment avec Juniper. Oh ! Première impression d'Harry envers Juniper. Sims intéressante. Et elle le trouve drôle. Mais ben, c'est bien. Ils sont voisins, ils ont une alchimie neutre. En même temps, ils auraient une alchimie de fou, j'aurais dit elle est mariée, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Bon, après, tu peux avoir une alchimie et pas être en couple, mais voilà, voilà. C'est qui ça ? C'est Arthur, ouais, ok. Il commence à faire nuit et on n'aura jamais les deux cas ce soir. Hein. Y a rien à loot, nulle part. Insupportable. C'est quoi ça ? Ah, creuser. Ok. On peut peut-être... Ouh. On peut peut-être récolter l'herbe. Et là, il y a des grenouilles. C'est pas mal, ici. C'est pas mal. Grrr, soirée ours. Oh, ils me font chier avec leur soirée ours. Ah, ah. Truc à casser, ici. Attends, c'est celui-là que j'ai déjà mis à casser ? Oui. Pas d'autre, là ? On peut pas y aller, ici. Ok. C'est chou. Trop beau, là. Avec le soleil qui se couche... C'est magnifique. Il est où ? Cours, ma belle. Il est fatigué. Oh, un petit effort, Harry. S'il te plaît. Plus vite tu y vas, plus vite tu rentres dormir. Hein. Moi, je dis ça. Un petit glouglou. Merci. Ils sont vénères dans cette ville. Je sais pas, c'est à cause de l'inflation, peut-être. Les dernières élections, Macron démission. Je sais pas, il y a quelque chose qui les énerve. L'herbe de prairie, ouais, ça serait cool que je puisse en faire quelque chose, la vendre ou je sais pas. Mais dépêche-toi, Harry. Il est mou du slip. J'arrive plus à parler. Il est mou du genou. Il est mou du slip. Il est tout ça. Merde, désolé, j'ai quitté l'écran. Ça va. Tu peux trouver du nectar à revendre. Ah ouais. Pas très RP. Quoique, c'est RP. T'as un alcoolo qui est en train de boire son vin. Il est tombé dans le champ. Voilà, il y a une bouteille à la rouler. Et lui, il la trouve, il la vend. Ouais, ça se tient. Allez, le v'là déjà arrivé, purée. Il nous a cassé la tête, lui, hein. Ok. Qu'est-ce que t'as trouvé, là? Il me fume quand ils font ça, je te jure. C'est une capsule. On va l'ouvrir. Pas très réaliste, aussi, les capsules, mais bon. Tu peux récolter des trucs dans les herbes de prairie. Ouais, du coup, c'est ce que Gigi disait, ouais. Tu peux te faire beaucoup de simflouz avec le nectar quand il est stocké en sous-sol. Je suis devenue vite riche en faisant un mini-challenge. C'est vrai? Si tu le mets en sous-sol, il te rapporte plus. Genre. Coucou, 4, comment tu vas? Bah, t'as pas loupé grand-chose. On commence tranquillement. On essaie de se faire quelques petits simflouz avec Harry. Harry a pris quelque chose sur foin d'herbe de prairie. Ok. Est-ce que vous utilisez ce petit carnet, vous? Moi, j'avoue que je ne l'ouvre absolument jamais. Chaque fois j'ai une notif de ça, je suis en mode, ouais, allez, hop, bye. C'est pas du tout un truc que j'utilise. Je me demande bien jusqu'à quelle heure il est ouvert le magasin. À mon avis, là, il est fermé hein, pour revendre nos trucs.
Ouais, j'avais déjà cliqué. Il vieillit plus vite. Ah, d'accord, intéressant. Donc du coup, il faudrait le mettre en sous-sol. Bon, pour l'instant... Hein ? Oh ! Oh, c'est 20, ça ! Des fois, c'est plus cher que ça. Des fois, c'est plus cher que ça. Et ça, c'est que de l'herbe. Eh. Là, peut-être qu'on va trouver du nectar, là. Faut prier. Et notre ex nous harcèle au passage, c'est ça. On a quitté la ville parce qu'elle nous a brisé le cœur. Ça a été un déclic. Et maintenant, elle envoie des messages. Hey, tu veux venir au festival de l'amour ? Ou des épices ? Ou de je sais pas quoi ? Non ? Non ? Bitch ! Non, je veux pas. Encore du foin. Ah, vas-y, c'est bon. Ça vaut combien, le foin ? Que chic ? Combien ça vaut ? 4 simflouz. Allez, bah, allez, c'est bon. C'est bon. Ça saoule. Il va rembourrer son lit avec ça, c'est tout. Par ici. Bon, là, de toute façon, il va aller pioncer. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Il est trop fatigué. Putain, là, il n'y a pas grand-chose, je pense. Ah, ah. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit, ce petit panneau, là ? Attention aux chevaux. Attention les chevaux, là. Et ici, c'est une maison de quelqu'un. Ah, c'est une boîte de nuit. D'accord. Ça ressemble tellement pas à une boîte de nuit. Il va trop s'éclater, quoi. Bon. Il ira à la boîte de nuit un jour, hein. Peut-être en date. Mais qu'est-ce que tu fous là avec ton vélo, toi ? Putain. Retourne à Copperdale. C'est pas vrai. Copperdale, Chestnut Ridge, c'est tellement pas côte à côte. Genre, tu peux pas faire ça à vélo. Kevin, là. On va casser la tête, lui. Aponia est trop mignonne. J'aime trop. Regardez comment elle est trop chou. C'est un PNJ que j'ai mis sur la map, comme ça. Trop, trop chou. Bon, là, il est un peu trop tard pour aller l'accoster. Elle va avoir peur, la dame. Il est 10h. On va rentrer à la maison. Enfin, à la maison. On va aller ici, ouais. Hop. Tout seul, comme un grand. On les reconnaît, les gens qui sont d'ici, ils ont tous des chapeaux. Effectivement, l'unitaire, faut le mettre à maturité en sous-sol et tu peux le vendre plus cher. Cool. Cool, cool, cool. Et, ouais, j'ai pas de sous pour ça. Bon, je vous avoue, je connais rien de ce pack. Je peux pas trop aider. Ce genre de pack, c'est pas mon truc. Ouais, t'aimes pas ? T'aimes pas les chevaux, les looting, les trucs comme ça ? Idem, on va pas être une grande aide. Je crois qu'il a pas trouvé de nectar car Capence l'a déjà bu. Ça doit être pour ça que je dis que de la D, ouais. On va faire... Non, pas faire une sieste. On va dormir. Tac, dormir. Il a un truc, là. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Planter quelque chose, ok. Fabriquer une bouteille d'excellent. Non, mais ça va aussi. Boire un verre. Bon, tu... Voilà. Hein. On se comprend, lui et moi. On a tous les deux besoin d'un verre. ouais, du coup, on va pouvoir vendre un peu nos trucs, quand même. Et... on a un style de vie ? Non. Technophobe en cours. Ben, j'avoue qu'en vrai, ça lui correspond bien, un technophobe. Il est pas trop là pour utiliser son téléphone. Est-ce que c'est parce qu'il a raccroché au nez de tout le monde ? Peut-être. Peut-être. Après, il va peut-être en avoir besoin pour se détendre, hein, à un moment donné. Pour se divertir, je veux dire. Ça va, le divertissement. Par contre, l'hygiène... Ouf, tu commences à schmouter sévère. Donc, tu vas prendre une super douche. Mais non, c'est vrai, on peut pas, on n'a pas d'eau. J'ai oublié c'était combien la facture. J'ai oublié c'était combien l'abonnement. Attends, je sais plus où c'est à ses foyers. Recherche des nouveaux camarades de dortoir. Ça va toi ? Ça va toi, t'es sûr ? C'est combien ça ? On sait pas. On sait juste qu'on a pas assez de sous. Je veux pas forcément la fibre, hein. Je veux déjà l'électricité, l'eau, tout ça, ça serait déjà bien. C'est vraiment la hesse, hein. Le jour où chaque sim sera sur la bonne map, les PNJ... Luxulani. Ah ouais, non, c'est un enfer. C'est un enfer. Et tu pues, et tu peux pas te doucher. Donc voilà, tu vas aller en boîte de nuit tout à l'heure et tu vas voir. On va repêcher un petit peu. Ok. Et pêcher, voilà. Tac. Il a envie de faire pipi ? Oh, mais à toi alors. Non, attends, va faire pipi d'abord parce qu'il va se pisser dessus en pêchant. Ça va être une angoisse. Dommage qu'on ne puisse pas s'aller dans la rivière. Oh, de ouf ! Oh, je suis sûre qu'il y aurait moyen de faire un mod de ça. Allez, viens Gigi, on apprend à faire des mods et on fait un mode se laver dans la rivière. Let's go. Vraiment, c'est pas du tout réaliste, ça m'énerve de fou, moi, ça m'énerve aussi. Hein. Je perds mon sang-froid quand je... Vous avez remarqué, je perds mon sang-froid. Coucou Ariane, comment tu vas ? Bienvenue, comment ça va ? Eh oui, tu schmoutes, mais on va trouver un moyen de te laver, t'inquiète. Ça va aller. Enfin, j'espère.
J'espère qu'on va trouver un moyen. C'est quoi ça? Ah mais c'est... Ah oui. On a plein d'herbes de prairie là. Ma gauche. Ça se trouve, la richesse était à nos pieds depuis le début. Harry a trop d'action. Harry n'a pas trop d'action. Harry, il doit se sortir les doigts des fesses, là. On est loin de nos deux cas. Le jour où j'aurai ce talent est loin d'arriver. Ben, en vrai, moi aussi. En vrai, moi aussi. Ou alors, faut que je le fasse en live. On apprend tous ensemble. C'était pas assez voyant, je crois. Je jure que je l'ai pas capté. Et le pire, c'est que c'est moi qui a fait ce terrain. Donc je l'ai probablement mis ça en me disant « Hey, peut-être qu'on pourra looter des trucs. » Il y en a partout, là. Je suis vraiment à l'ouest. Et vous savez combien de temps ça met à se... Vous voyez ce que je veux dire? À se... C'est quoi le mot? À se régénérer. Ceux de sur le nez qui viennent de Montgomery, lui, juste pour mourir de froid. Eux, il faut vraiment qu'ils grandissent. Il y en aura le cul. Tu n'as plus rien à manger non plus. Ah, c'est pas bête, ça. C'est un peu périmé, ça, mais ça va, ça se mange. Ça se mange, hein. Allez, pêche-nous un truc, là. T'as plein d'autres trucs à faire après. Ok, il a un poids sky. 7 simflouz. Au moins, c'est réaliste. On n'est pas millionnaire d'un coup. Ouais, c'est ça, Ariane. C'est le frère de Blair. Tu peux le faire tous les jours. Ok, c'est pas mal. Fumier de cheval. Ça vaut combien ça? 15 simflouz, allez. Yeah. Ouais, il fait un peu chaud, c'est vrai. À repousser, tout simplement l'utile. Ça met combien de temps à repousser? C'est vrai que c'est mieux en fait. Ah, merde, pas du tout ce que je vais y faire. Il a acquis une étape? Étape, je coupe mon herbe tout seul comme un grand. Les pieds dans l'eau, il me bute. Hein. Je vais le mettre pieds nus, je pense. Je vais finir par le mettre pieds nus. On va lui faire une tenue pieds nus. Comme ça, quand il fait des trucs dans l'eau, on lui met sa tenue pieds nus parce qu'il me stresse. Je sais plus sur quoi j'ai cliqué, sur quoi j'ai pas cliqué. Du coup, j'avais pas pu cliquer sur tout, là. Il y a de ce côté-là aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis un petit puits. Je vous jure, j'ai fait ce truc il y a tellement longtemps. Je pense il y a 3 semaines que j'avais préparé cette partie-là. Hop, hop. Oh, il y a jamais assez de trucs. Merci Evertime pour le save. Hop, on save. Et coucou Ferisumi, comment tu vas? Ouais, c'est le frère de Blair. C'est le frère de Blair, Ellie. Il s'est coupé le doigt. Coupure causée par les brins d'herbe. Oh non, t'as besoin d'un bisou magique. Allez, dépêche. Oh ouais, il y a une bouteille, nectar de fraise. Ouf, c'est curieux, nectar de fraise en vrai. Je pense pas que je boirais ça direct. Ça vaut combien? Je savais pas qu'il pouvait avoir autant de sous. Il a trouvé une tomate. Mange. Ah non, attends, faut la planter. Faut la planter. Faut être... Faire glisser ses éléments. Ok. Faut la planter. Faut avoir plus de tomates. Merci Ariane pour le prime. Merci Ariane, merci beaucoup. Bienvenue dans le pays des émotes. Peut-être acheter une guitare, comme ça il pourra jouer devant du monde. Pas bête. Pas bête Aurélia, j'aime bien l'idée. En plus, avec son chapeau de cow-boy, il va jouer un peu des trucs. C'est stylé, j'aime bien. Tu as la foi de streamer avec cette chaleur. Ça va, il fait pas trop chaud ici. Je crois qu'il fait 25 dans ma chambre. Non, mon bureau, dans ma chambre. On va arriver aux 2K au final. Ouais! Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Attends, on continue. Mais heureusement que Gigi m'a dit qu'il y avait peut-être des bouteilles et tout, parce que je m'ai trouvé. Enfin, si, j'aurais peut-être fait l'herbe, mais sans savoir que je pourrais être riche avec une bouteille. Oh, purée. C'est un peu triché, Imo, mais bon, si c'est dans le jeu, c'est pas triché, hein. C'est quoi, Chocobet? Ça se mange? Ça se plante? Oh, purée. Il a la foi de faire ça. Il pue, il est sale, il a faim, il est sûrement fatigué un peu. Non, ça va. Mais il donne tout, là. Il les veut, ses sous. Il va aller dégueulasse comme ça à la boutique. J'ai honte. J'ai honte. Ouais, j'ai save. Je crois que jamais je ne suis partie de rien dans les Sims. Ça doit être kiffant de se dire qu'on achète vraiment avec les sous qu'on gagne sans triche. Mais oui, c'est ça que j'avais trop envie de faire. Et franchement, je ne l'ai jamais fait sur YouTube parce que j'aime bien avoir des backgrounds et tout. Des backgrounds pour mes Sims, you know. Mais si je save,
Si, si, j'ai save. Bien sûr, j'ai save. Vous voulez que je re-save? Allez, hop, un petit save gratuit, là. Mais, Vanny, merci beaucoup pour ton abonnement, merci. Comment tu vas? J'avais pas vu que t'étais là. Comment ça va aujourd'hui, Vanny? J'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu stream aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas. Je sais plus ce que je disais, hein. Fanny, elle m'a coupé la parole. Oui, voilà, c'est ça. C'est kiffant de partir de zéro. Et comme je ne l'ai jamais fait, hein, même sur YouTube ou quoi, parce qu'à chaque fois, je donne des backstories à mes Sims, et c'est pas toujours possible de les faire partir de zéro. Je me suis dit, vas-y, sur Twitch, let's gang. Ok, là, on va aller vendre tout ça. Il va peut-être passer au bar, se laver un peu, non? Le gros cradou. Non, il est quand même beau gosse. Pas de soucis, il est beau gosse. Moi, ça va, merci, Vanny. Alors, on va se déplacer. Un peu la honte, mais on n'a pas d'eau chez nous, donc on va aller au bar, quoi. On y va tout seul comme un grand, hein. Méchant de Vanny, ouais. On va la ban. Comme toi, Evertime, tu vas te faire ban encore. Ça te pend au nez, ça te pend aux fesses. Alors, excusez-moi, cher barman. À quoi elle mord? Ok. C'est quoi ce prénom? C'est particulier. Vous avez des toilettes? Il est beau ce bar en vrai. Je sais pas qui l'a créé mais il est plutôt mignon. Ça va les portes, c'est pas genré? Ok, c'est bon. On va venir se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains, blablabla. Il va aussi boire de l'eau, hein. Il doit avoir soif. Hein. Ouf. Et ok. On a toujours trop d'actions à faire. Il aime personne le boug. Qui? Mon boug là, Harry? Si, il aime trop Juniper. On sait pas pourquoi mais il l'aime trop. Mais t'inquiète, il va rencontrer des gens. Il va s'inscrire sur un site de rencontre. Ça serait pas trop mignon? Bon, après, c'est peut-être pas la priorité maintenant. Il a même pas une maison pour accueillir sa chère et tendre moitié. Mais à un moment donné, j'aimerais bien. Pourquoi il n'y a pas de. Les chiottes, elles sont dans le noir. C'est sympa. C'est un genre. C'est peut-être le jour de l'électricité ou je sais pas quoi. La folle est toujours là. En fait, ça va mieux, la folle? Comment tu te sens aujourd'hui après cette petite, ce tour aux urgences que tu nous as pas raconté? J'espère que tu vas bien, que tu as pu avoir tes antibiotiques et tout. Ok, un petit coup d'eau. On va se laver les dents aussi. Voilà, c'est bon, il est dans le verre. Et la faim, ça va, il boit de l'eau. Ça fait augmenter. On peut avoir des chips gratos en vrai. On va se faire ça. Plus de choix, commander à manger... Les chips gratuites. On va se présenter à Don, là. Présentation respectueuse. Oh, on respecte. Hein. Un peu de respect pour nos aînés. Ça ferait pas de mal. Et là, amusante pour Amber. Attends, Amber. Ouais, Amber. On dit Amber comme le prénom Amber. Ça veut rien dire ce que je dis. Putain, j'en ai marre de moi. C'est l'amour dans le pré. T'imagines? Oh, c'est l'amour dans le pré, ouais. C'est l'amour dans les crottins de chevaux, potentiellement. Pas top, j'attends 8 heures pour aller à la pharmacie chercher mes médicaments. Ah ouais, tu les as même pas eu hier en plus. Merci Ariane, merci pour le lurk et bonne app. Merci beaucoup, peut-être à toute allure. Ah, j'ai pas vu, d'accord, la folle, j'irai lire alors. Oh c'est quoi le sentiment là? Sim collant. Harry a clairement senti dès sa première rencontre avec Amber que c'était quelqu'un de beaucoup trop pot de colle à son goût. Ça sort d'où, wesh? Non. Alors que lui, il le trouve drôle. Non, c'est trop. C'est trop. Alchimie neutre. Bah, tu m'étonnes, tu le trouves collant. Amoureux dans le fumier, de ouf. Ça m'a fait trop rire. J'avais jamais eu ce truc pot de colle. Mais bon. Et par rapport à Don, là, tu t'es présenté, ça va? Tu t'es pas présenté au vieux? Présentation de Cosim, alors. Ah si, elle y était, là. Ma bad. Respectueuse, c'est mieux, que je pense. Bonjour, je bois mon verre d'eau en mangeant mes chips. Où sont tes chips, d'ailleurs? Ah, c'est bon, il les a. Attends, je galère avec les murs, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, merci. Putain, mais... En fait, je suis juste au deuxième étage. Ah, voilà, merci. Attends, elle est encore enceinte, elle. Dans toutes mes games, elle se retrouve enceinte. Elle vient d'où, elle, Bernice? Mais elle est pas vieille? Ah non, adulte. Ok. Ah oui, Bernice, rentre chez toi. Elle vient d'où? Elle vient d'où? J'ai oublié. Pas Copperdale, l'autre qui ressemble. San Sequoia, non? Ouais.
Bisous la folle, bon courage. Bon courage. Tu nous raconteras dans le Discord. À tantôt, ouais. Conjointe Juniper. Ouais, c'est ça. C'est la femme de... C'est le mari de Juniper. Voilà. Ok, il a mangé. Il a mangé, il a bien bu. Il a envie de pisser maintenant. Il nous casse les pieds, lui. Tu veux pas aller vendre tes trucs? Non, vraiment. Là, on est sur le point de se faire 3K presque. Et toi, t'es là, tu pinailles. Comment ça, t'as envie de pisser? T'as pas pissé depuis hier? Pas de problème. Pas mon problème, pas là pour pisser. Attends, hop. Voilà. Il a la peau du cucu bien tendue. Bah ouais, il a bien mangé, il a bien bu. C'est la plus belle heure pour tous les simradins, tout le monde peut boire à prix réduit. Ah bah dites-lui pas ça. Hein. Là, il en rêve de son petit verre de vin. Déjà, je suis sûre que la bouteille, là, il a envie de se la boire. Hein. On en a qu'une, hein. Ouais. Par contre, on a une autre poupée, là, de... Une super chouette poupée. Alors, les légumes, je vais les garder, je vais les planter, je pense. Hein. Bernice ! Putain, c'est pas possible. Casse-toi, Bernice. Non, non, elle nous casse les pieds, elle. Mais, putain. J'en étais sûre au moment où j'allais changer de toilette, elle allait venir. Et elle vient du pack écologie. Ça me fait péter un crâne. Oui, j'ai un Discord d'Eli. Bah voilà, Hervé Hurtal me vient de le mettre dans le short. Ça, c'est pareil, c'est pas un sim d'ici. Wow! Lucia, tu viens de Tartosa. Et j'ai mis plein de PNJ sur la map. On les voit pas, on en a vu deux. Ça fait câblé. Alors, la boutique, on va vendre des produits à la boutique. Il est déjà 17h, la journée est passée super vite. Ah merde, je suis en x3. Attends, pourquoi il a encore le truc prendre des chips, hein? Il est encore en train de bugger le pépère. Donc, est-ce qu'on les vend les arbres de prairie? On a 53. 53, dis donc. Coucou Anaï, comment tu vas? On va les garder les foins au cas où on aurait un cheval. Le poisson, la tomate, on la garde. C'est tout ce qu'on a à vendre en fait. 2527. Je croyais qu'on avait d'autres trucs. Ah mais oui, c'est ça. C'est ça. Il nous faut une table pour pouvoir les vendre. Ok. Ok, ok, ok. Et ça, prendre une portion. Attends, c'est dégoûtant, ouais. C'est ça, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Ok. On va essayer d'aller se faire encore des sous, mais peut-être qu'on peut changer un peu d'endroit. On va peut-être pas retourner dans notre petit QG. On va peut-être aller par là, du coup. On va aller voir Guzman, hein, pourquoi pas. Tac. On y va tout seul. Ouais, il y a un mode, mais a priori, il marche pas de ouf. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui dit qu'il a le mode, il y a quand même des sims qui se trimballent. Une super belle poupée, en vrai. En vrai, elle était très belle. Ça peut te servir si tu prends un petit animal, je pense. Ouais? Ok. Je vais prendre un petit animal, alors. C'est vrai qu'on a pas mal de sous, là, du coup. Et bonjour, Odon! Discutez des centres d'intérêt. Je sais pas si vous en avez beaucoup, mais... Pourquoi pas? Pensée profonde. Tu m'as dit de regarder les nuages. Putain, vous les imaginez? T'arrives voir le vieux Don, tu lui dis « Tu veux pas t'allonger avec moi dans l'herbe, regarde les nuages, mec ?» Non. Ça va plus sur les habitants. Appeler l'agence d'animaux, ok. Alors là, c'est le coin de la map où je me perds. Je vous le dis, donc soyez prêts. Est-ce qu'on n'irait pas par ici? C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est une... Ok, une tombe. Donc, non. On va pas aller par là. On va pas du tout aller par là. On va pas aller déterrer un cheval. Non, non. Ici, il y a des trucs à creuser. Il n'y a pas grand-chose à loot, quand même. Moins qu'à, par exemple, à... Comment elle s'appelle, cette map? Windenburg. Windenburg. C'est quoi, ça, là? Non. On va aller chercher un petit... Vous pensez quoi? Un mouton ou une chèvre, du coup? Franchement, c'est le pire truc, les PNJ qui se baladent. Je fais indiquer, dans ce moment, ça me fait câbler. Bah, c'est ça, ça gâche tout. C'est quoi ce bruit qu'on entend? Ça vient de la musique? Ça fait... Vous entendez ou pas? Il n'y a rien à loot. Ça me rend chef, sérieux. Là. Ah bah super, bah attends, je le téléporte parce que le temps qu'il arrive là, le petit coco... Voilà. On va creuser. Et ça creuse.
J'ai des bugs, le wifi à 20 euros. Le wifi à 20 euros. Mais t'es où en fait, Evertime, là? J'ai rien compris. Ça rapporte bien les foins. Bah, pas trop. Regarde, bon, on en a 53, donc c'est sûr, ça fait 212, mais c'est que 4 simflouz le bail. Attends, là, on a eu un truc. Merde, j'ai cliqué. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, on a une petite pierre comme ça, ok. Il faut regarder cette tombe de l'autre côté du pont effondré la nuit. Il peut y avoir un truc secret faisant partie de leur lama. Oui, c'est le fantôme du cheval, quoi. J'ai vu ça. Alors. Enfin, j'ai spoil. Hein. Pardon. Ici. Allez, viens. Ah oui, ok, merci Valkyrie. Oui, t'as raison. C'est vrai que ça m'évitera de nourrir l'animal. Qui es-tu, toi? Petite jogging depuis... tu viens d'où? Je suis une hyper gros... Ah, ça va, c'est elle. Ok. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Que t'en as trouvé un morceau de calcaire? Ok. Oh, ok. Extraire le fossile. Combien le fossile? 45. Terrible. Ouah, le spoil, choqué, déçu. Je sais pas, j'ai vu 200 fois le... Tout le monde a fait un shorts ou un TikTok dessus. Tous les créateurs. Du coup, à chaque fois que je voyais, je disais, ouais. Il y a un cheval. Oh, un petit peu d'herbe, là. Oh, allez, vas-y, celle-ci. Elle cache une bouteille, je le sens. Allez, j'y crois. On parie quoi? Une petite bouteille. Ah oui, c'est vrai, t'es en club vacances. Oh, yes! J'ai dit qu'il y avait une bouteille, Alors là, appelez-moi Madame Irma. Incroyable. Donc là, la bouteille, elle vaut... 110, ça me donne envie de la boire. Tellement elle vaut pas cher. C'est honteux. C'est quoi ça, là? Contempler Ving, déraciner la plante. Si je la déracine, je peux la raciner après ailleurs ou pas? Est-ce que je peux faire ça? Merci Naenor. Merci beaucoup d'être passé et tout. C'est trop bien. À bientôt, j'espère, oui. Non, elle n'existera plus. Bah pourquoi on peut les déraciner alors? C'est de la D. Non mais sérieux. Attends, j'y suis allée là. Il y a un cheval tout seul. Est-ce que je peux voler un cheval? Présentation amicale. Est-ce que je peux le prendre et le mettre dans mon inventaire? Peut-être pas. Par contre, les moutons, peut-être que je peux. Je peux voler un mouton. Attends, ici. Il n'y a pas des trucs, là? Il n'y a pas grand-chose sur cette map. Hein. Il y a l'herbe, heureusement, mais... T'as pas de l'herbe, toi, mon copain, là? C'est pas de l'herbe, ça. Ah, là. Je récolte toute ton herbe de prairie, hein, Don. Fais pas gaffe, ça repoussera demain, hein, d'après mes copains. Ça marche pas. Déraciner, c'est arraché. Ouais, en soi, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un feature un peu inutile, du coup. Oh my gosh. Ne prends pas des libertés, s'il te plaît. Continue à déraciner. Il n'y avait que ça à déraciner? Il n'y avait que ça à prendre, là, mon herbe de prairie. C'est nul, pourquoi il a qu'un petit... Ah. Récolter toute l'herbe, là, s'il te plaît. Non, mais t'imagines? Il y a un type qui vient chez toi et qui prend toute ton herbe. C'est la hesse, on vole un cheval. On le revend après, tu sais. Non, mais... On peut essayer, hein. Attends, il a trouvé quelque chose? Oula. Duke, c'est le nom du cheval. Non, il a rien trouvé de nouveau, là. Ah si, c'est ça. Fumier de qualité exceptionnelle. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il commence à avoir faim, hein. Ouais. Peut-être remanger des chips ce soir, hein. On peut pas venir... Hey, Don! Tu peux pas nous inviter à Graille, là? Je me permets, alors je sais qu'ils aiment pas hein, quand on prend quelque chose dans le frigo, mais dans le doute, manger un repas rapide. Des petites céréales, là. Tu nous laisses en prendre ou pas? Le temps si peu qu'il mange, il le mange. Hein. Et voilà, allez hop, c'est comme ça qu'on a un repas gratuit. Je crois qu'on peut manger comme ça, mais c'est juste qu'ils veulent pas qu'on cuisine. Oh, la guitare! On peut pas la mettre dans l'inventaire. Harry ne possède pas cet objet. But what if? Je devrais lui mettre le trait pickpocket. Elle nous inviterait d'acheter des trucs. Ok. Eh, vas-y, on lui fait sa vaisselle quand même. On lui a piqué des céréales au vieux. C'est bon quand même.
Merci Evertime d'être passé. Merci beaucoup malgré la wifi, le wifi un peu nul. Merci beaucoup. Oh, on se prend un bain. Attends, il va venir, il va dire arrête. Ouais, c'est inapproprié. C'est inapproprié de ouf. Pardon, monsieur Don. J'avais juste besoin d'un bain, ça va mieux maintenant. Habille-toi. Habille-toi quand même. Un minimum. On va parler de la température chaude. Sinon, il fait chaud, hein. Vous avez vu? J'ai un sim qui a quitté son ex, mais qui lui a piqué plusieurs repas avant de partir. Classique. Tant qu'à faire. Ah bah, quand c'est la galère, c'est la galère, hein. Se plaindre du sang ensoleillé. Ouais, arrête avec ton sac poubelle. Complimenter sincèrement. Raconter une histoire drôle. On essaie de l'avoir dans la poche. Illuminer la journée. Discuter de centre d'intérêt. Donc lui, c'est pas lui là le propriétaire de ranch un peu mystérieux. On est d'accord, hein. Il y en a un autre. Il se ressemble vachement, je trouve. Mais je crois que c'en a un autre. Papotage. Comment tu me trouves? Ça me fume trop, ça. Des chips, des céréales, on dirait mon régime alimentaire H24. Mais non. On se fait une lessive, le gars s'en gêne. T'imagines? J'ai un peu des fringues à laver, là. Ça te gêne pas? Hein? Tranquille, t'avais des fringues à laver, toi aussi, de toute façon. On partage. Non, mais c'est l'écologie, il faut, hein, faut partager l'eau, tout ça. Si tu lui achètes le très bienvenu partout, un nom du genre, tu peux manger dans les frigos impunément. Ouais, c'est vrai. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment fait quoi que ce soit au niveau ouais, planter quelque chose, fabriquer une bouteille. Bon, on n'est pas prêt, hein, à voir que ça te fait. Du coup, au niveau de la satisfaction, il est à zéro. Mais ouais, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'on peut lui piquer un livre ou un truc du genre pour notre plus grand satisfaction? Ouvrir. On peut pas. Je peux pas. Trop nul. Je vais lui mettre le trapic pocket, je jure. Mais il est fatigué. Ah bah oui, il est minuit 15. On va rentrer dormir dans notre super campement. Et nous... Bah tout seul, hein. Ça commence à se remplir, hein, quand même. On a rencontré 4 personnes, hein. Personne n'est ami avec nous. On a trouvé un mec qui était super collant, mais à part ça, ça va. Ok. C'est très sombre, il va falloir acheter des petites lampes. Ah oui, mais on n'a pas d'électricité de toute façon, donc... hop, on va dormir. Eh, on est pas mal au niveau des sous. Va falloir voir un peu ce qu'on peut faire. Tant de relations rouges. Écoute, il y a eu une cassure dans sa vie, c'est pour ça qu'il est parti. Hein. Il s'entend pas bien avec tout le monde, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Il a franchi une étape pour débloquer un style de vie. Lequel? Amateur d'activité en plein air. Ah bah oui. Alors technophobe, activité en plein air. Qu'est-ce qui pourrait marcher aussi pour lui? Ah bah adepte de la diététique, pas trop, ça je peux vous le dire. Bourreau de travail non plus d'ailleurs. Dynamique peut-être. Fanatique de malbouffe. Ça serait pas mal aussi. Hein. Puisqu'il mange. Ok, ok. Tiens, en parlant de bouffe. Les céréales, ça cale pas tant que ça. On va se faire un petit pipi. Il faut nettoyer une poubelle pour nettoyer. Je veux pas nettoyer, je veux juste l'utiliser. On peut pas. Ok, là il faut investir nos sous. Ça va plus. Bah déjà, on va peut-être pouvoir se mettre un petit peu d'eau sur le terrain. Foyer. Avoir un bébé éprouvette. C'est vraiment pas la priorité, là, je vais te dire, hein, honnêtement. C'est quoi ça? Service électricité n'a pas été souscrit. Oui, oui, ben on y arrive. Attends, c'est là. On va prendre le moins cher. Hein. Hop, 329 déjà. Allez, hop. On n'a pas le temps. 329 juste pour être raccordé à l'eau. Alors que, clairement, on n'est pas raccordé à l'eau. Hein. On a un piqué avec un seau. Mais bon. On n'a pas besoin d'une douche, mais j'ai envie de prendre une douche. Ça va le détendre. Il fait chaud. Ah, poil! Ah, poil! Le pauvre, il dort à côté de son chiotte qui fouette. Je te jure. Oh, on va lui acheter une poubelle. Il me fait trop de la peine. Il va enlever son sac poubelle plein de caca, là. Plein de cacou, le sac poubelle. Bah. Allumer celle-ci. Et si... Attendez, question. Si je mets une benne à ordures sur son propre terrain, est-ce qu'elle peut être remplie... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce qu'elle peut être remplie de bouffe de temps en temps ou pas? Ou faut qu'elle soit sur un terrain neutre? Enfin, sur un terrain communautaire, par exemple. Parce que si on peut... on peut pécho de la bouffe dedans quand c'est sur notre terrain. Ça fait frigo, ça fait lit, ça fait endroit à crac-crac. Et ça fait poubelle, ça fait plein de trucs. Oh oui, je crois. Ouais. Parce que
Normalement, ouais, ok. Donc, mais c'est nickel, ça. C'est un objet incroyable. Ça coûte combien? 540. On va la mettre là, la poubelle. Hein. Allez, va falloir trouver la pigeonne qui voudra bien faire crac-crac là-dedans, mais bon. Chercher des repas, cette benne à ordures est vide. Ok, chercher des trouvailles. Ouais, on va pouvoir faire ça aussi. C'est un 16 dans la benne à ordures. Très bien. Donc là, du coup, ça, il va pouvoir le vider, nettoyer. Hop, on a vu tes fesses. Arrête avec ton sac poubelle. Mets-le à la poubelle, justement. Tac. Mais il a tout le temps chaud, mais c'est la canicule ou c'est quoi? Très chaud. Ouais, bah écoute. Ok, et là, du coup, c'est rempli. On peut chercher des repas. Alors, techniquement, le repas, ça va être ton propre cacou, quoi, là. Hein. Parce que bon, c'est le seul truc que t'as mis dedans. Il va trouver de la bouffe à partir de son caca. Ouais. Exactement, Gigi. Non, mais c'est... regardez, c'est rempli de sacs, hein, tout d'un coup. Ah, les Sims. Après, ça serait trop réaliste, ça m'arrangerait pas. Je dirais non, mais il n'y a rien prouvé dans la poubelle, quoi. Oh putain, le dive-in, quoi. Il me dégoûte un peu, hein. Pas caché. Je vais pas vous mentir. Colorant orange ambre dans la benne. Consulte, ok. Ça se vend bien, ça? On peut pas le vendre? Non, tu te fous de ma gueule. On peut pas le vendre. Je vais chercher des repas, parce que je crois qu'il a faim. Allez. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Nigri au saumon. Alors, s'il y a bien un truc que je mangerai pas dans la poubelle, c'est du saumon. Genre, parmi tout ce que tu peux trouver... Oh non, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Allez, vas-y, je m'en vais parce que je vais vomir en direct. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La douche, il a pris, c'est bon. Il va pouvoir faire pipi maintenant. En plus, il fait chaud. Il fait chaud de ouf. Il fait très chaud, il mange du saumon. Non, vas-y, arrête, c'est bon. Et voilà, comment mourir au premier épisode? Il peut mourir? Il peut mourir de ça? Attends, moi je suis premier degré. Hein. S'il peut mourir de ça, je m'en veux très fort là. Non, il peut pas mourir. Oh god, no! No, 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 please, non. Ça y est, il a oublié. Et en attendant, qui c'est qui a plus faim? Qui c'est qui a plus faim? C'est Bibi! Donc tout va bien. Non mais oh. Alors l'herbe, elle a pas repoussé, par contre, vous m'avez menti assez un peu. On va en récolter encore. Hein. Ah, il faut que je regarde pour acheter une petite table. Pour qu'elle aille faire son marché, monsieur. Ça me fume. Allez, ce soir, on se fait un bon repas. Il va s'acheter un bon truc à manger. Allez, vas-y. Sauf si c'est du fugu. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'ils en mettraient dans la benne à ordures, quand même. Mais il y a le feu dans sa toilette. Quoi? Quand il pisse, il y a le feu, ouais. Je crois que c'est ça... Il me semble que ce que tu dis, ça me rappelle un truc. C'est encore, ça pue, hein. Après chaque utilisation, il fait des gros cacous, hein, je te jure. Hein. En même temps, vu ce qu'il mange, c'est pas très étonnant. Ah, ok. Ok, continue, t'arrête pas. Il fait ça en serviette. Non, mais t'as qu'une serviette, tu peux pas la laver d'ailleurs, au passage. Quoi? Ah, tu peux pas autour de l'arbre, là? Nul. Nul sur 20. Et il a rien ramassé de nouveau, là? Il a pas pris une bouteille Non? Ok. Bon, on va acheter une table. Il est allé au magasin acheter une petite table. Alors, elles se mettent où, les tables, vous savez? Vous vous souvenez? Il y en a avec écologie, je vais trier par pack. Hop. Écologie. J'aime pas trop quand je descends comme ça, ça veut dire que c'est cher, hein. Attends voir. Écologie, il est pratique pour ce genre de challenge. Hein. On a pris la benne, on va prendre ça là. Et si je récolte de l'eau, je peux me laver et tout ou pas? Vraie question, j'ai jamais joué avec le truc qui récolte de l'eau. Elle est où la table? Je vais trop vite. Attends, je suis sûre qu'on en a une avec ce pack, non? Je rêve? Oh, vas-y, ça me saoule, je la trouve pas. À côté du vélo. Ici, là? À côté du vélo? Ah, ça! Oui, là. Ok, merci beaucoup. Ça coûte combien? 400. Bah, bah, bah. Qu'est-ce qu'on prend avec écrit quoi dessus? Ah, ça! Ça fait un peu nature. Nature peinture. Ça fait rafistolage, c'est pas mal. Ça fait bougie un peu. Ça fait gâteau. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ok, on va prendre celle-ci. Et on va aller se vendre des trucs dans le centre-ville. Il s'est changé, ok. Tu pourrais presque reprendre une douche tellement t'es dégueulasse. Hein.
Ouais, ça sera moins cher pour les factures. Ok. Ça sera juste moins cher, on la paiera quand même l'eau. La meuf qui veut tout gratuit. Elle est peut-être moins chère. Celle de dans la jungle? Ouais, bah tant pis, j'ai pris celle-là, hein. Écoute. Hein. On est riche, ok? On a de la moula, plus que ce que je pensais. Honnêtement, je pensais pas qu'on se ferait 2K. Quand Gigi elle m'a dit 2K avec l'utile, je me suis dit, vous êtes fous! Mais en vrai, on a réussi. On y va tout seul, on va pas y aller avec les gens qu'on déteste. Ce serait rigolo quand on va avoir une belle ferme. Enfin, une belle beau ranch, plutôt. De faire venir nos parents et de dire, tu vois, on a bien réussi. Ah! Qu'est-ce qu'il fout en slip, lui? Mathieu Wheeler? Ça va pas? Si tu souhaites vendre ton nectar fait maison, je l'achèterai volontiers pour un prix supérieur à la normale. Oui, mais d'accord. Mais... Ah, t'es là. Hey, Roberto Crickletop. Ah oui, c'est lui le mystérieux. On va faire une présentation de Kaosim. À toutes, Sélénée, merci beaucoup d'être passée et bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Ouais. Hop, alors le voici, le voilà. Yeeha. Comment ça va bien? Bon, ça va, vous n'allez pas le faire 200 fois. Alors ouais, ça parle de nectar. Je voudrais juste raconter une histoire drôle. Est-ce qu'on... Il allait boire un coup comme ça, la bouteille. Tu veux pas nous enfiler un petit, là? On va faire pavotage. Comment s'est passée la journée? Voilà, j'ai envie qu'il soit dans nos relations, quoi. Ouais, c'est bon. Comme ça, est-ce qu'on pourra l'appeler? Ouais, on pourra l'appeler et tout. Ok, très bien. Comme ça, on le connaît. Parce que, bon, voilà. Alors, on va se mettre... on se met où? On se met là, là? On se met là, on se met là. Se téléporter ici, tac. Un capanzra. Ah, je te jure, hein. T'es un rat ou tu l'es pas, hein. On veut pas payer l'électricité, nous, hein. Ok, on va placer dans le monde. Et on va mettre nos trucs dessus. Voilà, alors. Comment on fait? Pour l'inventaire. Mais on peut pas mettre dessus? Ça se met pas dessus? Comment on fait? Installer les objets. Ah, d'accord. Ah oui, il faut se mettre dans la table. Ok, ça y est, je me souviens. Je me souviens. Eh, on peut le vendre ça ou pas? Est-ce qu'on peut essayer de vendre le crottin? Ah, on peut pas. Bon bah super. Voilà, allez acheter mes merveilles. Commencer une brocante. Alors, on va s'occuper de la vente, oui, bien sûr. Venez acheter, augmenter les prix. Je vais mettre, on va augmenter de 100%, allez. C'est déjà pas mal. Capanzra, elle est là, 100%. Si ça se vend bien, on augmentera de 200. Y'a personne, frère. Voici le résumé de la vie d'Harry. Appelle-les là, wouh, ouais voilà. T'aurais dû te mettre devant le bar, hein, je pense. Ah, Roberto, vas-y, Roberto. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne nous fais pas de la compétition, hein. Il est là pour qu'on lui vende le vin, là, mais... Il nous fait de la compète, là. Il faut s'occuper de la vente. Ouais, commencer une brocante. Ah, faut cliquer sur commencer une brocante, ok. Voilà. Venez, hein. Augmente de 300, puis baisse. Ensuite, vite fait, les prix, ça attirera les sims. Ah! Plus c'est cher, plus ça les attire. Ah bah dis donc, ils sont pas des capanzra, eux. Attends, je rebaisse, là, du coup, vu qu'ils arrivent. Ok. Hop. Et bonjour. Ah, mais c'est quoi cette stratégie de fou? Mais Céline, toi, tu connais toutes les strates. Coucou Edwige, comment tu vas? Pas cool, Roberto. Roberto qui essaie, là, de nous... Hein? Oh, ils se mettent à la queue leu pour acheter mes merveilles. Mes petits trésors. Eh bah barrez-vous, con de mime. Non, mais sérieux. Eh, non, pas au revoir. On va remettre à 300, moi je m'en fous. Hein. Si c'est ça qui vous fait venir. Hein. Qui dans gameplay depuis 2007. De ouf, Céline, t'es trop forte. Tu connais toutes les astuces. Ah, bonjour Sienna. Je voulais te faire une petite présentation en plus. Je te trouve très mignonne. Regardez, ils iraient bien ensemble. Si, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Tu t'es pas présenté. Je devrais le noter sur mon CV. De ouf. C'est un vrai truc, là. Ah, faut que je clique sur eux. C'est comme les magasins. Non, tu rigoles. Ah oui, faire un argumentaire de vente. Pourquoi pas. On peut essayer. Ok. Non, par contre, c'est pareil, ça. Elphaba, on en parle ou pas? Elle est trop chiante. Pourquoi elle est toujours là, elle aussi? Oh,
s'en vont. Je vais péter un crâne. Reviendez. Ok. Salut, Elle. Oh, non, mais cette sim. C'est trop. C'est trop. Non, en vrai, ça marche tout seul. Pas besoin de leur parler. Ok. Monsieur. Monsieur Plenosas. Qu'est-ce que vous foutez là? On dirait qu'il est en vacances sans sa meuf. Nancy, elle est restée là-bas. Moi, je profite. Attendez, je suis toujours de ouf. J'ai pas un élastique aussi. N'oublie pas de remettre des objets si tu en as encore. Bah, je crois pas. Attends, qu'est-ce qu'elle veut notre petite sœur? J'ai déjà parlé de ces trucs. On emmenait dans un endroit pas trop royalement. Quoi? Attends, j'ai mal lu. Tu as déjà entendu parler des épreuves de motivation? Apparemment, des Sims sont emmenés dans un endroit et doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à un truc du genre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, Sophie, je connais pas. Je connais pas du tout. Désolée. Ils sont fous s'ils y vont quand il fait froid l'hiver. Ils sont bêtes. Mais attendez, vous l'avez déjà eu ce message, vous? Vous l'avez déjà reçu, ce texto? N'y va pas, sinon ton sim va partir pendant des heures. Ok, j'ai jamais eu ce truc-là. Et il y a un truc à gagner à la fin? Dis non. Ok, vous avez l'air... Donc, je dis seulement si ça dure moins de 2 semaines, quoi. Non. Cela ne se termine que lorsqu'il ne reste plus qu'un sim. Et cela durait seulement 2 semaines, ça ne serait pas assez épique. Ok. Rien à gagner. Bon, c'est nul, alors. Du coup, est-ce que j'ai d'autres choses à vendre? Je ne crois pas. Ah, je peux mettre la bouteille. Peut-être qu'elle partira pour plus cher. Installer les objets. Après, ma pomme, je me la garde. Et les crottins, je peux pas. Si je peux? Non, je peux pas. Donc, c'est tout ce que j'ai. Ton sim part 3 ans et rentre complètement mort. C'est un trou de lapin, rien à gagner. Ok. Non, mais des fois, il y a des trous de lapin, il y a quand même des trucs à gagner. Donc, on, dans le doute, voilà. Ok. Mais attendez, il y a des trucs qui se vendent, là? Parce que mes objets disparaissent, hein. J'avais d'autres trucs. Attends, voir l'inventaire. Mais pourquoi il n'y a plus que ça? Ils sont où les autres trucs? J'ai vendu des choses. Je comprends pas. Il y avait d'autres trucs quand même. Il y avait toutes les petites pierres et tout. Vous êtes d'accord qu'il y avait quand même plus d'objets que 3? Tout à l'heure. Je vais mettre à 200. C'est un échec là. Ah, vas-y, achète un truc toi. Fais un argumentaire de vente là. Oui, Capone, on a bien vendu plein. Mais pour des petites sommes alors. Ah, 1000, ok. Parce que j'ai pas l'impression que ça a augmenté beaucoup. J'étais à genre 1200, non? Putain, j'ai rien vu. Je parlais et tout, j'ai rien vu. Bon, tant mieux si on a vendu des trucs. Du coup, comment ça se passe avec Sienna? Elle a un sentiment. Il a pas eu de sentiment en mode j'adore cette cible. Trop nul. Mais bon, au moins il la connaît maintenant. Ah, il a encore un truc avec elle. Discuter avec Sienna. Je dis Serena, mais Sienna. Tu veux que je remette à 300? Ok. Allez, Geoffrey, toi qui un. Ça se voit, c'est un gros bouffon. Il va acheter la bouteille qui vaut que dalle pour beaucoup plus cher là. Je le sens. C'est un peu un bouffon. C'est qui ça? Attends, c'est Dominique. Oh mais j'étais sûre qu'il allait acheter la bouteille. Il a acheté l'autre truc. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. 3000 simflouz, let's go. Elle revient, elle. Alors, je vois que ta vente s'est plutôt bien passée. Hein. Discuter des centres d'intérêt. Elle va lui demander d'où il vient et tout, peut-être. On peut faire amical. Papotage. Demander comment s'est passée la journée. Demander comment tu me trouves, j'ai trop envie, mais c'est trop tôt là, dans leur relation. Demander des conseils pour gérer un ranch. Humour, pipi, caca. Pas sûr que ça passe à tous les coups. Raconter une blague sur les martiens. Allez, parti. Allez, hop, mange ton vent. Tu peux partir en vacances à Sulani, tu récoltes les coquillages et objets de Sulani, tu revends à 300%, tu vas être à 15K en 2 jours, Sims. C'est vrai. Il partira peut-être en vacances pour une lune de miel un jour. Qui sait. Pour l'instant, il a pas les loves. Hein. Pour l'instant, il a pas les loves. Merci Tatiana pour le follow et bienvenue. Et merci à tous pour vos petits follow. C'est trop gentil. Allez, la bouteille, là, on veut la vendre. Allez, qui pour acheter ma bouteille? Parce que là, elle vaut que... je sais plus, elle vaut 100, je crois. Ouais, 110, donc il faudrait tellement la vendre, là. Faut que tu relances. Ah oui, j'avais pas vu, c'est fini, putain.
La brocante, la brocante. Merci, Serena. J'adore quand vous êtes plus attentif que moi à ma propre partie. Allez, la bouteille. On y croit, on y croit. Par contre, il n'y a plus personne. Donc déjà, on y croit un peu moins. C'est peut-être pas le meilleur spot. Je pense que la prochaine fois, je me mettrai devant le bar. Moi, j'ai voulu me mettre devant la boutique pour être un peu logique, mais qui c'est qui court, là? Allez, cours, Ayumi. Viens m'acheter ma bouteille. Et bonjour, Letty Nawak, comment tu vas? Comment ça va? Je te vois tout le temps sur les streams de Letty, de Lucas et tout. Du coup, ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Allez, vas-y, achète. 300%, là. On en a besoin. Elle n'est pas encore vieillie, mais t'inquiète, ça va le faire. Si je lui fais... Est-ce que ça... On a plus de chances quand même de gagner pour un... Si on fait un argumentaire de vente ou pas. Allez, on cherche un bon bouffon pour acheter notre bouteille. C'est ça, en fait. Il nous faut un gros pigeon, là. Allez, la célébrité, elle y connaît rien. Brittany. Oh, elle n'est pas contente, elle. Bois un coup, ça va te détendre. Vas-y, achète la bouteille. C'est qui, ça? Faire un argumentaire de vente. Mais c'est pas du tout lui que j'ai demandé de faire un argumentaire de vente, à elle, là. Hop. C'est qui, ce type? Allez. Il arrive avec son assiette. Alors... qui? Il y a quelqu'un qui l'a acheté? C'est bon. C'est bon, c'est bien dit. Bah, voilà, c'était la célébrité, j'en étais sûre. Et t'inquiète, Letty, y a pas de souci. Ouais, je stream depuis 2-3 semaines, même pas. Donc c'est tout frais. Mais merci en tout cas d'être là. Et oui, je suis connue pour me faire ban chez Lucas. Ah, t'inquiète, ici aussi, on en a une qui est connue pour se faire ban chez moi. Donc t'inquiète. Mais oui, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu sois là. Tu peux aussi faire un argumentaire de vente en leur parlant, ok? Je suis... Hello Daisy, comment tu vas? C'est vrai que Gigi, c'est la plus belle. Je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Alors, on va rempipoter notre table, là. On va se la refoutre dans l'inventaire. Et on a bien vendu, les gars. Là, on n'a plus rien. Ça, mais ça se vend pas, c'est de la D. Comment on s'en débarrasse? Placé dans le monde. Allez, hop, c'est un petit cadeau. Je vous le mets au sol, je n'en veux pas. Je ferai jamais de bougies. J'allais dire de bijoux. Je ferai jamais de bijoux non plus. Tiens, tu veux une fiole? Je peux pas la poser ici? Ah non, c'est juste que je peux pas lui parler à elle. Ok, on s'en bat les couilles. Ça, pose-le par terre. Allez, hop, ça dégage. Merci. On le refout dans l'inventaire. Et il me casse les pieds avec son sac, hein. C'est son meilleur pote. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de pote, vous vouliez qu'on prenne une mini-chèvre ou un mini-mouton? Vous préférez quoi? Bien joué, bientôt riche. De ouf! On va peut-être pouvoir se faire... On va peut-être pouvoir se faire un petit abri. Tu ne peux pas vendre le foin? Si, vous pensez que je le vends? Vous voulez garder si j'avais un cheval potentiellement, mais on peut se le vendre. Vendre des produits, tac. Ah, ma table! Ma table! Personne ne me vole ma table, hein. Je vais péter un crâne. Alors, le chocobet, je le garde. Ça, je vends tout? Oh, sa mère. Je peux pas maintenir en plus. Allez. Allez, on y croit. Ah oui, il y a Entremêlée qui est sorti. C'est trop mignon, Lucie. Et tu regardes tout en même temps. J'avais oublié que ça, c'était sorti du coup. Oh mais putain, on avait beaucoup, 65. Ok, let's gong. Ça c'est pas mal, 260. On va pouvoir s'acheter des petites provisions là. On va se mettre bien. Mouton? Allez, mouton. Mout. Ok, vous êtes d'accord. Ah non, Serena t'as dit chèvre, mince. Bon, on prendra une chèvre après alors. Chèvre, comme ça tu auras du lait. Mais elles sont chères. Elles sont plus chères que les moutons? Elles sont plus chères? Ah, vous voulez que je fasse un sondage? Ouais, au pire je fais un sondage. Attends, je crois qu'il n'y a pas de modo, je vais le faire. Je vais le faire moi-même. On n'est jamais mieux sa vie que par soi-même, bien sûr. C'est pas vrai, en plus. Attends. Je suis perdue dans ma vie. Hop, Twitch. Alors. Putain. Il est où, mon truc? Voilà, je vais faire un sondage. Mouton ou chèvre? Tac. Hop. Allez, c'est parti. Le sondage, il est let's go. Il est go, le sondage. Allez-y. Vota. Il va être assez court, donc faut voter vite. Les deux, pas de jaloux. Ouais, c'est vrai, en vrai, on a les moyens de prendre les deux. C'est vrai aussi. Mouton, hein, je pense que ça va être un petit mouton. Attends, parce que là, il faudrait qu'il achète des petits pour se faire un bon repas pour ce soir. Purée, j'ai oublié ce qu'il pouvait faire griller sur son feu, là. Ça coûte cher, les poules. Ah, des poules! Ça serait trop bien, on aurait des cocos! Oh, des poules!
Il va prendre... Attends. J'aurais dû regarder les recettes qu'on pouvait faire. Parce que là, on va prendre un petit peu de viande blanche, mais si on peut pas la faire griller, il va encore manger des trucs dans les poubelles, ça veut dire. Mouton. Ok, on va prendre un petit mouton. Tu vas construire sa première maison quand il aura combien de simples? Je sais pas trop, on peut commencer et on voit ce qui nous manque comme sous. Coucou Mélanie, comment tu vas? On peut commencer déjà à voir un peu ce qu'on fait comme balls. Écoutez, je vais lui prendre un avocat. C'est cher, mais bon. Une carotte, un citron. Dans tous les cas, ce qu'il n'utilise pas... Ah non, mais on n'a pas de frigo. Attention, hein. Attention. Ok, on va manger ça comme ça. 119 simples pour 3 légumes. Allez, l'inflation. Macron, démission, là. C'est trop. Regardez ma petite fiole, ça me fume de rire. Les recettes hors réseau. Ouais, j'ai pas du tout regardé, en fait, ce qu'on avait. Acheter mini chèvre, voilà. Et coucou Nani Jenny, comment tu vas? Et Yanis, comment vous allez? Comment ça va? J'ai pas encore pu rattraper toutes tes vidéos que tu as sorties sur ta chaîne, mais ça fait trop plaisir de te voir kiffer. Merci Saturne, merci beaucoup. S'il a du lait de chèvre et des œufs, c'est déjà pas mal. En vrai, ouais, c'est vrai. Mais du coup, on n'a pas dit qu'on prenait un mouton? Ha! Parce que le mouton, on peut le tondre. Donc ça fait un peu des sous aussi. Hein. Ça fait un peu des sous aussi quand même. J'ai envie de prendre les deux du coup. Le sondage a servi à rien. Merci, bonsoir. Mouton, je prends les petits blancs là. Trop chou. Tac. En vrai, vas-y, c'est bon, on a les sous. On prend les deux. On prend les deux. La petite dalmatienne. Allez, vas-y, c'est bon. YOLO, on n'a qu'une vie. Hein. Ils sont dans d'autres inventaires. Attends, vas-y, comment on les appelle? Renommée. Mini. Mini, c'est chou. Allez, vas-y. Et ça, Guimauve. Mini et Guimauve, c'est trop mignon. Ok, bah ça part, ça part. Il va falloir par contre leur acheter des petits matos et tout aussi à la maison. Vous avez acheté un nouvel animal, vous le trouverez dans l'inventaire. Ça me fume. Ça me fume tellement que les animaux soient genre dans un sac à dos comme ça. C'est beaucoup trop drôle. Déplacement impossible car un événement social est actif. Vendre dans la rue. Ah, chou. C'est bon, on a fini de vendre. Hein. On rentre. Si tu as le pack tricot, tu peux faire des choses avec la laine. On avait dit mout-mout. Bah vas-y, j'ai pris mout-mout, j'ai pris tout, j'ai tout pris. Prends les deux, le mouton rapporte des sous et la chef du lait. C'est vrai, hein. Allez, YOLO, hein. Allez, YOLO. Guimauve et Mini, c'est ses premiers amis, là. Ça me fume, parce qu'en vrai, elle a pas d'amis. Regarde-moi ça, les relations. Sa sœur, allez, sa petite sœur. Sa sœur qui est au lycée, quoi. C'est son ami. C'est son ami. C'est trop. C'est trop grave. Alors, tac-tac. Oh, purée. Donc... Vous voyez ça, la petite cabane qui a un peu cabossé là, je me disais ça serait rigolo de la reproduire en mode il l'a retapé. Mais c'est super petit. Donc ça pourrait être un abri pour les animaux à la limite, mais c'est vrai que c'est assez petit quand même. Là, je vais les sortir de l'inventaire, les pauvres. Placés dans le monde. Coucou, comment ça va bien? Oh my god. Oh my god, c'est trop mignon. Oh, trop chou, trop mignon. YOLO. YOLO avec le dab. Oh non, j'adore quand il saute comme ça. J'aime trop. Donc ça, c'est Guimauve, ouais. Alors, animal satisfait, propre, rassasié. Ok. Et là, oh, je veux te voir. Attends, je peux déjà traire pour gagner des simflouzes. On peut juste traire aussi. Et tondre pour récupérer la laine, tondre pour gagner des simflouzes. Ok, on va récupérer la laine également. The fuck. Ok, on a récupéré deux bouteilles de lait. Putain, et quand on boit, ça fait quoi? Ah, mais c'est pour les recettes, peut-être, ça peut être bien. Tiens, d'ailleurs, vu ce que j'ai acheté que de la merde au magasin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut faire griller quelque chose? Absolument rien. Allez. Hamburger. Can I get some burger? Oignon, n'importe quelle viande. Ah, voilà, c'est ça. Farine. Oh, putain, pour faire du pan campo, faut juste de la farine. Mais pourquoi j'ai pas regardé les recettes avant? Je suis trop bête. Oui, bien sûr, Letty. Bienvenue sur le Discord. Ça fait trop plaisir. Avec plaisir. Si tu laves tes chèvres et moutons avant de traire, ça rapporte plus. Let's gong. Putain, du coup, faut que j'aille acheter des meilleurs trucs parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais attends, je veux tout. Mais là, je voudrais des trucs pour jardiner aussi. Comment ça serait le feu? Des petites parcelles de jardin comme ça, là. Tac. Ça mange pas de pain.
It doesn't eat bread. Tu vois? J'en ai mis trop. Non, ça va? Et là, si je mets ma tomate, c'est quoi la saison? Été. On en était? Oui. Bah, c'est bon ça, la tomate. L'avocat. Je peux le. Ça, je vais le manger, je pense. Ok? Le citron. La carotte. Carotte, c'est quoi? C'est automne, non? Ouais, automne, printemps. Ok, c'est mort. Ok, c'est mort. Et ça, les chocobets. On peut le planter? Oui, ok. Ok, ok. On va planter ça déjà. Voilà, tu voulais. Bah, il aime le jardinage, mais c'est ce que j'allais dire, c'était sûr. Oui, avec le pack tricot, ouais, on peut fabriquer des choses, ok. Avec la laine, c'est cool. Si tu l'as. Ouais, ça, j'ai lu. Tu pourrais les planter. Non, mais laisse tomber, je voulais aller dans la piscine chez ma grand-mère, mais au final, flemme de sortir dehors, je vais végéter sur le canapé dans le ventilo. Il fait tellement chaud, en fait. Même dans la piscine, ça veut dire que t'es au soleil, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. On va arroser parce que là, ça crame aussi dans le jeu. Hein. Combien il fait? Enfin, il fait chaud. Et coucou Conti, comment tu vas aujourd'hui? Si tu couvres avec un toit, ça pousse hors saison. Ok, Serena, merci. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce que j'ai pas envie de dépenser tous nos sous. Hein. Bah, Valkyrie, tu vois, on a vendu quelques délires et puis du coup, on a deux petits bébous. Je sais pas où ils sont. J'ai perdu mon mouton et ma chèvre. Ah non, ils sont là. Pas du tout. J'ai dit, ah non, ils sont là, c'est une dame. Ils sont là. Oh non, ils sont trop mignons. Faut leur faire un petit abri. Et voilà, c'est à peu près tout. On a un peu de laine, là. Mettre en vente sur Plopsy. On va pas utiliser Plopsy, je pense. Hein. Ah oui, on a le fumier aussi. Le fumier, on peut s'en servir pour jardiner ou pas? Je pense que oui, hein, du coup. Ça, c'est arrosé, ok. Alors, là, je vais essayer de reproduire ce petit abri. Pour mes petites chèvres et ma petite chèvre et mon petit mouton. Ce serait trop chou. Ce serait trop mignon. Je vais mettre un jour parce qu'on voit que chic. Du coup. Ok, bon, j'avais mis le truc un peu de traviole, mais tranquille, ça va le faire. Comme ça. Hop. Il a acheté quelques outils, il répare. Voilà, voilà. Il a acheté du B13 aussi, a priori. Et je fais un truc comme ça, là. Oh, ça va être beaucoup moins beau, je pense, que la petite maisonnette. Ok. Donc, c'était comme ça. Avec une petite porte, du coup. Est-ce qu'on a une porte qui fait bien bois, bien... Tu vois? Ah, mais non, il faudrait que je laisse un truc, attends, ouvert, en fait, puisque c'est pour les animaux. Qu'est-ce qu'on a eu avec ce poc? Ça. Ça peut ressembler un peu, si je le mets comme ça. Ils dorment sous la poubelle pleine de crottes, les pauvres. Oui, c'est trop grave. Je suis actuellement allongée, t'as une cloque sur mon lit. Je te comprends. Tu peux fertiliser avec le fumier. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Mais j'ai trop chaud, moi. Là, j'ai mes cheveux. Vous avez vu comment ils sont épais? Regardez-moi ça. Hein? Ça me donne trop, trop chaud. Envie de mourir. Bon, c'est pas mal, ça, je pense. Attendez, je suis plus sur le jeu. Hop. En clair, comme ça, je pense. Ouais. Et là, on avait une petite fenêtre. Ah, mais ça, c'est parfait, regarde. Bon, les volets sont un peu ouverts dans le vide, mais ça, c'est pas un souci. C'est pas le même bois. Ouais. Cute, hein. Et là, du coup, le toit a été réparé. Hop. Ok. Avec un petit toit comme ça ici en tôle. Le toit en tôle, il était pas mal. Mais que fais-je? Que fais-je ou vais-je? Ok. Ok. Bon, évidemment, pas comme ça! Tu vois, je l'avais dit que ça ferait moins bien, là. En plus, on a l'arbre, on va le bouger un peu, même si, bon, ça, c'est pas très RP, mais... Hein. Pretend we do not see. Voilà, c'est ça, mon problème dans la vie. Ah, mais attends, je suis pas jusqu'au bout, mais... Oh, la débile. Voilà. Voilà. Et là, on va raccourcir ce côté-là. Ouais. Un peu trop, je pense. Pour que ça fasse mignon. Bon, ça fait pas très mignon, mais vas-y, c'est pour les animaux aussi. Ça va. Si je mets comme ça. Voilà, là, c'est mignon. Là, c'est mignon, là, c'est mignon. Je suis comme ça, qu'à part mes cheveux épais, je meurs. Ah, mais c'est... C'est un enfer. Déjà, c'est chiant à laver.
C'est chiant à vivre, hein. Je sais pas comment tu fais. Ouais, mais moi, c'est ça. Mais en fait, j'ai fait un effort parce qu'ils étaient attachés là avant le live. Mais là, je me suis dit, mais quelle idiote. Mais là, j'ai rien pour. Regardez la taille de mon élastique. Comment voulez-vous que j'attache tous mes cheveux avec ça? C'est impossible. C'est impossible. J'utilise ce genre d'élastique pour me faire des petites tresses un peu partout. Mais pour attacher tout le tas au-dessus de ma tête, là, c'est mort. Il me faut un plus gros élastique. Pareil, team cheveux longs en chignon de juin à septembre. Ah, mais oui, non, mais oui. Voilà, moi j'hésite à les couper, hein. C'est pas caché. Voilà, alors, on va peut-être enlever l'herbe dedans. Ah, mais non, mais ça c'est trop bien, je veux le garder, c'est vrai. Attends. Arrête, il me bully le truc. Voilà, c'est ça. En fait, je suis obligée de l'enlever. Je vais le décaler. Hop, voilà. L'herbe, elle a poussé ailleurs soudainement. L'herbe, elle s'est dit, je vais me bouger un peu les faces. Voilà, donc il a nettoyé la toiture et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour les animaux, hein, je répète. Ah oui, il est altruiste, il est comme ça, il adore les animaux, il les fait passer avant lui, du coup. Lui, il a nulle part où dormir, mais il le fait pour les animaux, quoi. On n'a rien qui ressemble à du bois, un peu. Petite chaumière, là. On n'a rien eu avec Vio Ranch. Ah si. Bah, frère, c'est la même chose. Attends, je vais mettre la tôle à côté. On va garder la tôle comme ça. Celle-ci, là. Ah. Ça. Ça serait stylé, en vrai, pour faire une petite maison. Mais bref, c'est pas ça que je veux. C'est plutôt ça, oui. Voilà. Voilà, voilà. Et on va mettre un peu de truc, là. Il a fait ça bien, le type, hein. Celle-ci est bien. Et je vais essayer de trouver une couleur qui s'approche. Voilà, comme ça. Que ça se fond un peu dans le décor. Tac, ok. C'est trop moche. Tu trouves ces bipous? J'ai trop envie de les couper, mais en octobre, j'ai regretté, pareil. C'est sûr et certain. Ah ouais, ça, c'est ça. Moi, je trouve jamais non plus des trucs qui tiennent tout. Ou alors, si ça tient tout, ça tient que la partie cheveux, et après, c'est petit à petit, ça se casse sur la tête. Douche plus rapide et moins chaud l'été, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Mélanie. C'est plus rapide comme ça. J'ai les cheveux longs, épais, j'ai rasé la moitié en dessous il y a 5 ans, depuis, je revis. Mais c'est abusé. Quand mes cheveux sont détachés, je ne me rends pas compte. Les gens ne se rendent pas compte, ouais. Et quand je suis rasée en dessous, il reste une masse d'épaisseur, l'angoisse de ouf. Tu trouves, Lumila? En fait, on fait un petit terrain, tu vois, on remplace ce petit terrain-là, comme s'il l'avait retapé un peu pour les animaux. C'est ça qu'on est en train de faire. Du coup, attendez, je garde le modèle parce que j'aimerais mettre le bois dans le même sens et tout. En mode, il a juste nettoyé un peu le bois, là, vous voyez. Alors, ça serait lequel? C'est dans ce sens-là, ouais. Peut-être qu'il faut que j'aille dans ça, voilà. Peut-être plutôt ça. Un truc comme ça, là. Ouais, ça pourrait être sympa. Ou alors celui-ci. Ouais, j'aime bien l'autre. Mais je vais le prendre en un peu plus clair. Oh, c'est chou comme ça, ouais. Ok, on va le mettre à l'intérieur aussi. Tac. Et sur le côté, le bois est dans l'autre sens. Un peu comme ça, quoi. Quoi qu'il est un peu plus... Oh, il y avait ça aussi. Ça fait vraiment petite maison pour les animaux, hein, tu me diras. C'est peut-être mieux. Ah non, je crois que je préfère celui-ci quand même. Ah, je sais pas, celui-là il fait plus RP quand même. Ok, on va prendre celui-là, allez. Et du bois dans l'autre sens du coup. Genre ça. Ouais. Ok. C'est vraiment du bois de rafistolage, hein, c'est ce qu'on veut de toute façon. Ces cheveux hyper fins, et ben je vous dis que les coups de soleil sur le crâne, c'est pas non plus la folie. C'est vrai, tu prends des coups de soleil sur le crâne? Putain, c'est abusé. Ouais. T'avais perdu beaucoup de cheveux, Luna. Moi aussi, j'en perds. Ça se voit pas parce qu'ils sont encore très épais, mais faut voir ce que je trouve dans la salle de bain. Hein. J'ai bouché le siphon et tout. Je fais que de boucher les siphons. C'est un délire. Voilà. Et alors, pour le floor... Alors, moi, j'ai un peu envie de casser. Ça fait con. Parce que bon... Ça aurait été logique, d'un côté. Qu'il n'y ait pas de... Mais ça fait trop con au niveau de la porte. Parce que sinon, c'est logique. Le voisin, je veux dire, c'est logique. Après, je peux laisser fait. Mais... si je trouve du bois, qui est mignon. C'est pas mignon, ça. Ça, c'est plus mignon. Ouais, ok. Et du coup... pour les animaux... Mangeoire. Hop, déjà.
Abreuvoir, ça c'est pour les chevaux, ils ont pas besoin de voir les biquettes. C'est bizarre dit comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre là? Bah, il faut peut-être une. Ouais, une litière pour le cheval. En soi, peut-être pas hyper utile pour les petits trucs, mais bon, c'est plus confortable pour les mini-animaux. Ok, ça me fait comme ça, non? Moi aussi. Puis c'est derrière mon père et à ça de me virer de la maison. Enfin, je te jure, moi aussi, mon mec, il tape un scandale. L'eau, elle s'écoule encore pas! C'est quoi ce bordel? Je sais pas, moi, regarde. Regarde ce qu'il peut y avoir là-dedans. Du coup, je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière et je suis passée de cheveux aux fesses à cheveux aux épaules. Oh, ça a dû, tu dois trouver un changement de ouf. Il y a un tapis de foin pour décorer dans les tapis. Ouais, tu crois que ça coûte peut-être moins cher que la litière. La litière, elle coûte 50. Et les tapis, avec vie orange, 10. Ouais, mais il faut que j'agrandisse de ouf. Oh, ça peut le faire. Si j'en mets deux. Merde, je le réduis. Hop. Ouais, ok, ça revient moins cher, donc on va faire ça. Bonne idée. Je vais peut-être mettre une petite lampe maintenant qu'on a l'électricité. Attention, c'est la fête. Ça. Tac. Et on peut en mettre une à l'extérieur aussi. Oh, chou. Attends, je vais mettre du foin aussi devant là. C'est pas très beau en fait le foin devant. Au revoir. De ouf, je respire. Ah mais tu m'étonnes. Là, j'en pouvais plus m'accouper. Quoi ? La coiffeuse a coupé à la tondeuse ? Putain, et du coup t'as fait don de tes cheveux ou pas ? Je sais pas si tu pouvais, je pense que bah oui, ils étaient assez longs pour ça. Oui, j'ai tellement peu de cheveux sur le caillou que si j'ai pas une casquette quand il y a du soleil, je suis autant cramée sur le... Putain, c'est ouf, ça doit faire trop mal. Autant vous dire que la presse solaire sur les cheveux, c'est pas la solution. Bah tu m'étonnes, chou blabla. Oh ! Abusé. Oh merde, attendez, j'ai oublié ça. Waouh ! Mais c'est trop mignon ! Voilà, on a déjà notre premier petit truc. C'est pour les animaux. Il est vraiment altruiste, hein, notre copain, là. Et alors, on me disait dans le chat, Seralina me disait dans le chat que je pouvais mettre une petite serre, un jouet. Ah oui, tu penses que je peux mettre un jouet aussi? Je sais pas avec quoi ils jouent les biquettes et les moutons. Ils jouent avec les trucs pour chiens, là, comme ça? Parce qu'il n'y a rien pour eux, je crois. On n'a rien de nouveau. Bah, c'est le ballon, mais bon. Évidemment, c'est pour les chevaux. Je sais pas. Je sais pas avec quoi ils jouent. Ça revient moins cher et on aime en tant que Capanzara. De ouf. Capanzara. À ma connaissance, il ne joue pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Capanzara, ce truc me tuera. Hein. C'est beaucoup trop drôle à dire. Attendez, je regarde avec le mini kit, là. Jardinage. Je crois qu'on a eu... Ah non, c'était... Faut faire des murs et tout. Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'on avait une serre déjà faite à poser, mais non, on n'a même pas eu ça avec ce kit. Non, on a juste eu des fenêtres et tout, mais il faut faire la structure. Au pire, on peut la faire. On a encore un peu de sous. Ça me fume, hein. Les animaux d'abord, le jardin d'abord. Oula, on va pas avoir assez de sous, en fait. Je me suis emballée, là. C'est ça que je voulais. Et mettre une structure au-dessus. Ça coûte combien les fenêtres comme ça? 50. Ici, je mets juste le toit, qui est gratuit. Si je ne m'abuse. Et je mets des poteaux, quoi. Des poteaux. Hop. Fait comme ça. Et on le tire là. Avec un toit en verre, m'a dit Serena. Celui avec les trucs, là. Comme ça, ouais. Et je mets des poteaux. Je sais pas pourquoi ce mot me fait trop rire. Poteaux. On en a pas eu avec le kit jardinage, super. C'est lesquels les moins chers? 25, elles sont moches. Ah bah voilà, ça c'est bien. Des morceaux de bois qu'il aurait trouvé je ne sais où. Hop. Attends, je préfère cette couleur-là. Non, c'est la même en fait. Hop. Hop. Et on fout le toit dessus. Let's gong. Faut que je fasse une base. Ah mais oui. Mais bien sûr. Attends, faut que je fasse... Oh putain, c'est compliqué. Attendez, bon, j'ai compris. Non, faut que je fasse une pièce. Oh putain. Et je vous jure que je sais jouer aux Sims. Ça, on voit pas comme ça, hein, on dirait pas. Mais c'est vrai, je sais jouer aux Sims. Je vous assure.
Hop. Voilà, comme ça. C'est ça que je devais faire. Bah alors, c'était pas si compliqué. Hop. S'il te plaît, reste à ta place. Ici. Toi aussi. Là. Voilà. Et ça, je le tire. Et on n'en parle plus. Voilà. Bon, alors attends, parce que là, c'est beaucoup trop. Tac. Eh ben voilà. C'est type au chou. Là, je remets le même bois. Peut-être celui-ci, là. Les couleurs, elles ne me plaisent pas. Voilà, voilà. Comme ça. C'est un peu bizarre, non? Faut que ça soit comme ça. Attends, est-ce que ça fait moins bizarre comme ça? Ouais, ça fait moins bizarre comme ça, je pense. Quoique. Attends, je réessaye. Non, pas comme ça. Là, ça fait bizarre. Comme ça. Ça fait bizarre. Non, c'est comme ça, en vrai, le mieux. Ok, c'est bon. Sur mes parties, celle de Lucas, l'Okinawa, ça marche. De quoi? J'ai une petite question, vu que le nom de ta chaîne Twitch, YouTube, c'est Capan, ta communauté s'appelle-t-elle Leka? Non, on se fait appeler... Enfin, ils se font appeler les Capanzors, généralement. Ou les Capanzoriens. Des trucs comme ça, les Capanzariens. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Mais non, Leka... Leka, c'est pas ici. Ici, on est des dinosaures. On garde Leka pour Lucas. Mais juste un toit. Et normalement, ça marche. Ah oui, tu voulais dire sans mettre les poteaux, mais moi j'aime bien, je veux pas mettre juste le toit, je trouve ça plus réaliste d'avoir des petits poteaux. Mettre les plantes sous les toits. Ouais, quelles plantes? Celles-là? Elles y sont là, elles sont dessous. Les Capanzors. Ouais, les Capanzors, ça vous plaît bien. Les Shrekos aussi, c'est vrai, mais ça c'est un autre délire. Il y a les Shrekos dans les Capanzors, tu vois. Mais des fenêtres, je pense que ça serait mieux, non? Des fenêtres... Sur les... Faire des murs et mettre des fenêtres, c'est ça que tu veux dire, Marélave? En vrai, ça coûte plus de sous aussi. Et bonjour, Cladoudou, comment ça va? Ouais, en vrai, ça va. Hein. Bon, petit à petit, après, je pense qu'on lui fera une petite maison là. Ou devant, un peu plus devant, là. Je sais pas encore. En tout cas, là, il a de quoi jardiner et de quoi s'occuper de ses animaux. Donc, c'est plutôt cool. Je suis contente. MDR, j'adore. Shrekos, non mais ça, c'est... Ça date de la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, les Shrekos. Par contre, la lumière, elle est nulle à Yesh, là. Ou c'est moi? Alors moi, j'ai un problème avec la lumière. Hein. Je vois jamais rien dans ce jeu. Ah, mais attendez. En plus, j'ai encore besoin de mettre ça là. Et qu'est-ce qu'on fout ici, là, dans ce petit racoucou, là? C'est trop grand, si j'agrandis. Qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Je sais pas. Il a qu'à dormir là, lui. Bordure de toit, non? Ah oui, peut-être bordure de toit. En effet, oh my gosh, ça fait trop bizarre. Ok. Petite bordure de toit. Ouais, ça finit bien. Si on trouve un bois similaire, c'est sympathique. On adhère, on adore. Et ça, est-ce que je peux en foutre en dessous, là? Attends, non, je peux pas. Je voulais en mettre là. Mais je peux pas. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Les animaux ont peut-être pas besoin de lumière après tout. C'est vrai aussi, ça nous évitera de payer des factures, remarque. C'est juste quand nous on va aller venir les voir, on verra rien, mais après tout, t'as raison. On paiera moins d'électricité. Hop, au pire, on peut mettre une fenêtre. Pour apporter un petit peu de fraîcheur à la pièce, parce que ça va pas sentir bon. Et ça apportera peut-être un peu de lumière aussi. Voilà. Des outils. Ouais. Des petits outils. Après, 1300 simflows vont peut-être se calmer. Mais on peut trouver des petits outils de decoration. Attendez, je vais trier avec ce qu'il y a avec le nouveau pack. Parce que du coup, j'ai jamais construit avec. J'ai retapé une maison avec, mais j'ai jamais construit avec. La vie orange. Ah oui, on avait un buisson à pipi, en fait. Ça aurait été sympa, ça. C'est quoi, ça? Par exemple, ça, support à outils, travail honnête. Les outils, on pourrait les mettre là, en effet. Hop! Ces petits outils quand ils s'occupent de couper tous ces trucs là dehors. Par contre l'étagère elle est un peu chelou, il faudrait que je mette une porte plus petite. Si je mets ça. Un peu bizarre. Ma foi. 50 simflous, ça va. Je sais pas où il a trouvé une porte le type, mais
Il m'en a trouvé une. Ça, c'est pas très RP, tu vois. Hop. Voilà, ça là. C'est haut, non? Non, ça va. Ok. Là, c'est ces petits outils. Petit à petit, on rajoutera des trucs à mesure où il agrandira son terrain. Un établi, par exemple. On pourrait mettre un établi. Je sais pas si on le met dès maintenant. Je pense qu'il va falloir grandir un peu le truc. Trop beau. Ouais. C'est trop mignonne, hein. Casorel, parce que je pense pas que c'est trop beau pour l'instant, mais on espère que ça le deviendra. En tout cas, voici le petit abri pour nos deux petits bébous. Ah oui, c'est vrai que c'est la nuit. J'avais presque oublié. Est-ce qu'on peut... Putain, c'est sombre, hein. On va remplir la mangeoire pour 30 simflous, je crois que c'est. Hop, et on va les appeler pour qu'ils viennent manger. On ne peut pas. Pourquoi on peut pas les appeler pour qu'ils viennent manger nos petits bébés? Ils sont où? Ça va pas la tête? Ah mais c'est ceux qui dorment, c'est pour ça qu'on peut pas les appeler. Oui Daisy, si on vient tout juste de commencer, bah comme tu peux le voir. Hein. Y a pas grand chose, donc oui c'est le tout début. Ça va me donner envie d'acheter le pack, il faut que je résiste. Avec un établi, il pourra se fabriquer ses meubles. C'est vrai ça, ce serait une bonne idée. Après ils sont pas toujours très beaux, mais... Les outils à l'intérieur, mais son lit à l'extérieur. Je suis mort. En vrai, je sais pas si le lit passe. Bah le lit passe, en vrai. On pourrait le mettre. Il dort avec ses animaux pour le moment. Pichoun. Et les toilettes, on pourrait les mettre là, en vrai. Hein, un petit peu d'intimité, ça ferait peut-être pas de mal. Hop, son petit seau, là, à pipi. C'est même sa petite douche. Bah, en vrai, la douche, c'est plus... Enfin, c'est mieux de la laisser à l'extérieur, vu que c'est avec un seau. Ça, c'est un carton pour dormir, aussi. On sait jamais, on va le laisser là. Je bouge les cailloux. Voilà. Tac. Ça, c'est pareil, vaut mieux le laisser dehors. Ok. Allez, comme ça, il va dormir à l'intérieur. J'allais dire avec ses animaux, mais ils ont décidé de dormir dehors. Donc, nous, on va dormir ici. Il est fatigué, hein, je pense. Ah, il a faim, c'est vrai. J'ai acheté des trucs complètement inutiles, en plus, au shop. Donc, on va manger la carotte. Le citron. L'avocat. Allez, hop, c'est bon, c'est n'importe quoi. Je préfère pretend I do not see. Et après, il va dormir. C'est bon, il mange des trucs, ces conneries, hein. Et oui, c'est l'année, on a mis une petite émote biberon. Quand on entend mon fils, mais là on l'entend pas parce qu'il est pas là. C'est pour les chevaux uniquement, non? De quoi? Il faut les nourrir au biberon. Si tu récoltes l'herbe de prairie, tu peux remplir la mangeoire avec. De quoi qu'il y a que pour les chevaux? Remplir d'herbe de prairie? Il mange l'herbe qui tombe par terre en fait. Ah merde, ok. Parler de la mangeoire. Ok. C'est vrai que j'avais toujours eu des chevaux et des... Ah, ok. Donc en fait, c'est inutile. D'accord. Bah, c'est pas grave, on leur donnera le biberon. Écoute, j'aimerais juste leur dire de venir dormir ici, quoi. Pourquoi tu vas... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, merde. Bah, du coup, j'aurais pu économiser de l'argent. C'est pas grave, on l'aura pour nos chevaux, si un jour on a des chevaux. Oui, c'est un petit garçon, Letty. Un petit bébou qui a 7 mois. T'inquiète, merci pour le lurk. Mais ouais, il a 7 mois déjà. Elle marche pour eux aussi, ok. Avec la serre, on se fiche de la saison des fruits. D'accord. Il aime jardiner, il pense au jardinage, c'est parfait. Il a encore faim, mais tu viens de manger des trucs. Bois un peu de lait. Je sais pas si ça fait augmenter la faim, le lait. Ouais, c'est bon. Tu peux boire le deuxième aussi. Ah oui, et on va se mettre des trucs dans la poubelle. Ici, là. Tac, et comme ça, il va pouvoir... Oh merde, mon assiette sale. Hop, chercher des repas, chercher des trouvailles. Vas-y, let's go, chercher des repas aussi. Je n'ai jamais autrement qu'avec l'herbe. Moi, du coup, j'ai juste à les laver, ça fait gagner du temps. Ouais, c'est pas bête. De toute façon, là, je vais ramasser l'herbe demain. Il a dormi, là? Ah, mais il a déjà dormi, mais ok. Mais parfait, on va pouvoir s'occuper de tout ça. Alors, j'ai chaud, je commence à devenir toute rouge. Ils commencent à devenir hyper rouges. Oh, ils sont trop mignons. Regarde, il y a une assiette en dessous. Ils sont trop mignons. J'aime trop. Élevage d'abeilles, le miel remplit ta barre de faim. Ah ouais, c'est vrai que je pourrais élever des abeilles aussi. Il a trouvé quoi? Il a trouvé un fauteuil? Attends. Consultez l'inventaire de votre foyer. Mais incroyable. Mais en plus, il a trouvé un fauteuil CC. Je savais même pas que c'était possible. Mais en plus, c'est un fauteuil qui vient avec une autre partie normalement. Du coup, c'est trop nul. 1025 les gars. 1025.
Qu'est-ce qu'on fait? On le vend ou c'est de la triche? Il a trouvé des framboises. Et les framboises, elles sont bonnes, saison automne. Ok. Ça, je voulais qu'il coupe tout ça aussi. On va récolter toute l'herbe de prairie. Ah oui, je savais. Merci, Sélénée. C'est vrai que ça fait un moment. Merci beaucoup. Trouver, t'es trouvé, hein. Ne pas vendre, c'est voler. Fais attention, je crois que si tu le poses au sol, il se remet à zéro simflouze. Oh, ok, choubleubla, c'est intéressant ça. Ok, je savais pas du tout. Bon, là, en tout cas, j'espère qu'on va trouver des belles choses. Fruits à épines. Ok. 48 simflouze, mais on va le planter, je pense, le petit fruit à épines. D'ailleurs, oh! Ok, ça pousse. Ça, on va se le mettre là, on va le planter. Je suis trop contente! Ça commence déjà à... On voit qu'il fait des efforts, vous voyez, pour son petit truc. Peu importe la saison plante. Ok. Ça plante des framboises aussi. Ça va être un petit peu décousu, hein. Il y a un petit peu de tout, hein, mais bon. C'est vrai. C'est vrai que du coup, je vais perdre grave du temps à tout le temps les nourrir. Attends, il marche dans l'eau avec ses chaussures. Il me rend fou! T'es grolle. Elle va être trempée, t'es godasse. Oh non, bébou! Ça va? Ça va? Il est trop mignon. Il est prêt à commencer sa journée. Oh, attendez, il y a des trucs qui ne vont pas. Animal affamé, animal malheureux. Non, il est parti. Il est en direction de manger, là? Je pense que oui, du coup. Il est trop chou, c'est guimauve ça? Ouais, trop chou guimauve. Allez vas-y, bon appétit mon guim. Ok c'est bon, ils peuvent manger là, tout va bien. Il va finir par être plus riche que sa sœur. Ah bah là je vais te dire, si t'as vu les derniers lives, oui, c'est clair. Sa sœur est déjà très pauvre vu qu'elle a dépensé tout son argent dans sa rénovation d'appart. Comment il saute, je meurs, c'est tellement mignon. Les abeilles, pose-les près des plantations, ça poussera plus vite. Ok. Ouais, j'ai vu ça, Sophie. J'ai vu pour le cheval fantôme. Il faut arroser, là, je pense. Non? Pas besoin d'arroser? Si. Voilà, il a tout ramassé, là, les herbes? Là, il y en a encore. Hop, tout récolté ici. Ils sont vraiment trop mignons, je te jure. Oh, ça y est, t'as bien mangé, bébou. Ok, animal satisfait. Et pour l'autre? Tu dois avoir un petit creux toi aussi. Non, ça va. Ok. Va peut-être falloir qu'on leur parle un peu et tout parce qu'il s'est pas du tout occupé d'eux. Il est trop mignon. Je crois qu'on peut leur demander de l'aide pour le jardinage, ouais, voilà. Mais il faut développer une relation plus poussée. Ça peut être cool aussi. S'ils arrivent à nous aider à jardiner, ça peut être très sympa ça. Ouais, en plus on peut tondre, ouais. Et le miel des abeilles nourrit de fou, donc tout bénef. Ok, je vais prendre des abeilles alors les gars. C'est parti, ça va être notre prochain achat. Je vais aller vendre le fauteuil ou je le vends là directement dans l'inventaire en vrai. Attendez, hop, je me rassois. Parce que ma chaise, elle me colle dans le dos. Un délire. C'est une connerie, les chaises en simili-cuir, là. Ah oui, il y a mini-chèvre, mini-mouton. Guimauve, c'est le mini-mouton, je crois. Oui, j'ai bien vu que tu préfères avoir des meubles et tapis hors de prix que d'avoir des meubles pour tes jumeaux. On se demande s'ils ont été enlevés ensemble. C'est vrai qu'ils sont tellement différents, Harry et Blair. De mieux que des chaises en tissu. Alors, attends. Ouais, c'est clair, hein, pour les chaises en tissu. Non, c'est pas Pipi qui veut, il veut se laver. Ok. Mais là, je crève de chaud à cause de ma chaise, quoi. Un délire. Une fois qu'on a noué des liens avec les abeilles, j'imagine, elles attaquent moins, non? Peut-être. Ah oui, c'est ça qu'il faut que j'achète. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vende. Vas-y, je le vends là. Oh là là, les couronnes en or, les gars, incroyable. C'est dans le jardinage ou... Ouais. Ça, c'est petit bestiole, ok. Les abeilles. Au pire, je vais taper abeille, hein, ça va aller plus vite. Ah. Arrête. Il m'embête. Elles sont où? Elles sont forcément là. Attends. Ça vient avec...
saison. Voilà, elles sont là. Rue. Si je la mets là, du coup, c'est jackpot. Tac. 265, ça va en vrai. Hein. C'est pas si cher que ça. Quelle couleur. En mode, il en a quelque chose à faire, le type. Quelle couleur. Il s'en fout pas mal, Harry. Ruche. Ouais, ruche, c'était mieux quand même. Hop. Alors, ça, c'est arrosé. Ça, ça n'a pas besoin d'être arrosé, a priori, ok. Donc là, du coup, nouer les liens avec des abeilles. Il faut mettre une combi d'agriculteur. Let's gong. Je monte toujours la relation au max avec elle. Ouais, c'est mieux. Ok, je vais essayer, du coup. Bah, viens. Ah, bah oui. Bah oui. Ah, mais je peux pas nouer des liens si j'ai la combi. Ah, mais nul. Bah, non, mais... Habille-toi, quand même. Habille-toi quand même, s'il te plaît. Changer de tenue. Hein ? Quand même, on va s'habiller. Ça serait cool aussi qu'à un moment donné, on aille dans une friperie ou je sais pas quoi et qu'on le relook un peu. Parce que là, il a vraiment zéro tenue, quoi. Oh ! Ils sont trop mignons ! Ils font copain-copain. Bah, vaut mieux pour eux parce que Harry, il les calcule pas, donc. Ouh là là, ok. Avec calme, ça va. Tenue et tout bronzé. Je plante des fleurs aussi, genre marguerite ou autre. À Skip, ça les apaise. Ah, ok. C'est bon à savoir. Et coucou Aurélie Cléo, comment ça va? Voilà, voilà. On va continuer à nouer un peu des lignes. Allez, faites-moi du beau miel, là. Qu'on se remplisse la pince. Et après, on va aussi... Oh, ils sont trop mignons. On dirait qu'ils nous attendent, j'adore. On va parler de la vie de Barba Papa, je sais pas quoi. Parler des envies de lécher un minéral, quoi. Et là, du coup, vous m'avez dit, si je les nettoie avant, on va pouvoir traire pour plus cher. Elle a peur, Guimauve. Hop, là, oui. Coucou, Caneline, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va? Bonjour, Capanz et les Capanzor. J'adore. Ok, donc là, tout propre, et un max de flouze. Ah oui, 30, ok, c'était 22 avant. Ah ok, bon c'est pas beaucoup, mais... Hein, ça fait la diff. Il est trop content, c'est de partout. Là, on te lave, et on va te traire également. On peut peut-être continuer à nouer des liens après. Et j'aimerais bien qu'il se fasse un vrai bon repas aussi dans la journée. Donc, ah, on peut griller des trucs. Bah non, on n'a toujours rien. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il nous faut? Mayonnaise, herbe. Je pense qu'on va se faire un truc genre... là, il faut beaucoup de choses. Attends. Il y a un truc. Panne de campo, il faut juste de la farine. Donc ça va. Hamburger, il faut viande rouge, pain, laitue. Un peu plus compliqué. Et là, il faut n'importe quelle pomme, fruits. Il faut des fruits grillés. Ok. Vous retenez, hein. Parce que je vais tout oublier au magasin. Il faudrait que j'achète un... Peut-être pas un frigo, mais quelque chose pour stocker frais, quoi. Ça serait pas mal. Caneline et Letty, les retrouvailles. Vous êtes trop mignonne à vous congratuler entre vous, vous êtes trop chou, j'aime trop. Donc ouais, je vais prendre une petite glacière. Glacière. Attends. Ouais, celle-ci, 275, 145. Elles sont toutes... Il n'y a pas des puissances en particulier, donc pourquoi s'embêter? Pourquoi ça m'embêtait? Oh, celui-là, il fonctionne, le frigo, là? Putain, t'as pas trop envie de mettre des trucs frais dedans, quand même. Je vais prendre celle-ci. On va la mettre à l'ombre pour garder les produits bien frais. Logique. On va la mettre là. Bah, au pire, on peut la mettre dans la cabane, attends. Ça serait encore plus logique. Voilà, en face des toilettes qui puent. On adore. Tac! Là, comme ça, on va pouvoir se mettre des trucs frais parce que galère. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des bananes, des petits pois. Ok.
Ok, ok. Pas grand-chose de fou, mais ça va quand même. Ça, ça se met au milieu, c'est casse-couille. Et ça, c'est quoi déjà? Des petits pois. Planté. Et on plante les bananes aussi. Planté. C'est vrai que ça se dragouille là. Hein. Ça se dragouille très fort dans le chat. On va organiser un mariage dans pas très longtemps, je pense. On va arroser tout ça. Ils sont trop mignons, nos petits bébés. Mais du coup, ça veut dire que... Ah non, on a peut-être pas assez. Cette plante, banane plantain, n'a pas réussi à germer. Essayez de la planter dans un endroit plus ouvert. Ah merde. Ah bah oui. C'est peut-être parce qu'on est sous le truc, justement. C'est pas grave, on va la manger, la banane. Bon appétit. Bon appétit. C'est trop bien que vous vous retrouviez ici. C'est trop cool, c'est trop mignon. Il y a besoin de pisser. Oh, les mouches, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte à un point. Putain, j'ai chaud. J'ai trop chaud. Pourquoi tu fais pas des robots pour t'aider à faire le jardin? Bah parce que je viens juste de commencer en soi et j'ai pas tout fait, bien sûr. Mais pour l'instant, il y a 3 trucs plantés, ça va. Je pense que j'ai pas besoin d'un robot. Il est parti chercher des trouvailles. Non, il a pas mis des poubelles. On va faire des trouvailles, on va chercher des repas. Ça vaut le coup quand même. Et là, attends, il y a encore des trucs qu'on n'a pas récoltés. Oh putain, si on avait une bouteille à 2K là, on serait refait. Heureusement, il y a une grande fenêtre dans ces toilettes. C'est ça, Gigi, en vrai. Ah mais ça pue plus. Ah oui, il l'a vidé. Ok, ça va. Mais oui, en fait, de base, j'avais mis la fenêtre pour ce que les animaux puent. Il a trouvé une télévision. Mais non. Mais regardez comment les poubelles, elles sont remplies, du coup. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. On va chercher des repas. Non, peut-être pas. Hein. Non, j'ai dit qu'on mangeait bien aujourd'hui. Il a trouvé des côtelettes d'agneau. Elles sont comment? Bah, elles sont médiocres, bien sûr, Calisté. Quelle question. On va les mettre dans son petit frigo. Je suis mort. Tiens, on peut pas en plus. Bah oui, forcément c'est dégueulasse, ça sort de la poubelle. Mais attends, il refait pipi là? Ah mais non, j'avais fait nettoyer du coup, j'avais pas fait pisser. Oh, il me saoule lui. De ouf, hein, j'espère qu'on sera invité au mariage, parce que c'est quand même un peu grâce à nous là que cette petite... cette petite déclaration a été faite là, hein. Donc. Il fait trop chaud. Ah! Une bouteille. Là, mais c'est 55. Non, mais vas-y, c'est de pire en pire. On en a une à 2K, une à 100K, une à 100 tout court, sans simflouze, et maintenant 50. Franchement, frère, tu vas la boire à force, hein. Pas encore vieillie. C'est peut-être pour ça. Mais du coup, il faudrait qu'on fasse un sous-sol où il peut mettre le vin. Pour qu'ils vieillissent. Ce serait peut-être pas mal, ça aussi. Ça serait peut-être pas mal. Alors, je sais pas exactement où. Peut-être juste en dessous la cabane, là. Merde, attends, il faut que je fasse... sous-sol. Outil sous-sol. Comme ça. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est en décalage de la cabane? Je ne saurais vous répondre. Je saurais pas vous dire. Par contre, attendez, je dépense trop de sous, là. Je pète un crâne. Comment on y va au sous-sol? Petite étagère. Allez, vas-y, va te coucher. Petite échelle. Ici. Non, elle est en trop, en plein milieu. Petite échelle. Ici. Ouais. Ça a pas l'air très pratique, en vrai. Et si je mettais l'échelle dedans, en fait, tout simplement? Arrête tes bêtises. On va se mettre, genre, à côté des toilettes. Vraiment, cette pièce, elle le fait, mais zéro sens. Là. Tac, tac. Un peu pas comme ça. Comme ça. Mais ça va faire encore moins de sens. Non, ça va pas. Mais non, ça va pas. Ici. Voilà. Attends, comment il descend là? Si, c'est bon, il va pouvoir là. Tranquille. Tranquille. Le petit pot de chiottes là, on va le mettre bien là. Là, je pense qu'il peut y aller. Je suis pas sûre, en vrai. Je suis pas sûre du tout.
Je rénove la petite maison pas chère de la map en même temps que tu aménages ton espace. Je vis ma meilleure vie. Trop mignon, Conti. Trop cool. Bah moi, je suis cancer. Je suis sensible et facilement blessée. Oh, bubou. Attends. Je voudrais juste voir s'il peut descendre. Parce que je me dis, ça se trouve... Pas du tout. Ah ouais, là, il fait son pipi. Ok, c'est bon, ça fonctionne. C'est ce que je voulais savoir. Et là, c'est peut-être un peu grand pour le moment. On va faire un peu des économies. Hein. Ouais, 240, vas-y, rends-moi ça. Lâche le nonos et rends-moi les sous. Je vais mettre des lampes. Attends. Juste une. Voilà, c'est suffisant. Et on va reprendre le délire du bois et tout. Il a dû trop galérer à faire son sous-sol, sérieux? Comment il a dû galérer? Tout seul? En quelques heures, là? Bref. On va faire genre, on y croit. Je sais pas. Attends. Petite idée de fou, là, mais ça sûrement trop tôt. Est-ce qu'il a les sous pour... Je pense pas. Bah si, il a l'air de pouvoir tout acheter, donc en soi, il doit avoir les sous pour fabriquer son... Ça. 350? Mais c'est donné. Comment on va se fabriquer du vin de ouf, là? C'était son rêve absolu? Attends. Il est à portée de main, là, ton rêve. Je vais le mettre comme ça. J'aime bien. Et, ah merde, on n'a plus la place pour les casiers à nectar, par contre. C'était ce dont j'avais vraiment besoin. Bon, je pense qu'on va pouvoir l'acheter facilement. Hein. Oula, oublié, je vais pouvoir assumer deux cancers. Ça va, cancer. Ça va. Il y a pire. J'ose pas dire qui, parce qu'il y en a 100% dans le chat. Mais il y a pire comme signe. Je suis Verseau ascendant cancer, I understand. Oh purée, Verseau. Verseau. Ouais. Bref, allez, vas-y, je me tais. On va pas parler signe parce qu'on va se disputer. Mais le pire signe. Vas-y, dis les noms. Le pire signe. Je vais parler pour les hommes. Parce que c'est différent. Le pire signe pour les hommes, c'est Gemini. C'est Gémeaux. Les hommes Gémeaux. Des inepties. Moi, je suis Gémeaux, c'est mal. C'est pas mal. Enfin, moi, toutes mes potes filles, enfin toutes, beaucoup de potes filles sont Gémeaux et je m'entends super bien avec Gémeaux Sagittaire, c'est super compatible. Mais les hommes Gémeaux, loin de moi. De toute façon, j'aime pas partager mes relations amoureuses et comme Laetitia a déjà 10 femmes sur chaque chaîne Twitch qu'elle suit, on est dans le caca. Je suis Bélier ascendant Sagittaire. Je suis Verseau. Verseau, en vrai, Verseau fille, ça va. Est-ce qu'il y a des scorpions filles ici? Léa, faut que tu regardes un tuto, il y en a plein sur internet des tutos. J'ai pas 10 femmes sur chaque chaîne Twitch. Non, t'en as seulement 8. Excuse-nous. il est parti faire quoi lui? Allez ici. Ok, ah oui, c'est vrai, je l'ai descendu. Là, du coup, j'ai pas de fruits pour fabriquer du nectar. Pas du tout. Acheter des ingrédients basiques. Oh! Attends, combien il faut de trucs pour faire deux trucs? La pomme, 3. Ok, il faut 3 à chaque fois. Ah oui, j'ai une fraise. Incroyable. Du coup, 3 pommes. 2 fraises. 3 raisins. On va faire ça déjà. Ça fait 253. Oh purée! Ah, ah oui, donc là, rends-nous riche. Hein. Nectar de pomme, vas-y. Hop, nectar de raisin. Et le petit last but not least. Attends, tu peux pas faire la fraise au final? Mais je croyais que t'en avais déjà. 3 sur 3. Bah alors? Ah, il a pas le niveau! Il a pas le niveau, il a pas la compétence. Oh, excuse-moi. Je t'ai surestimé. Voilà. Ah voilà, enlève tes godasses. Ça fait pas de mal. Ma meilleure amie est scorpion, c'est plus compliqué parfois. Voilà. Voilà. Les femmes scorpions. Voilà. Mais il y a personne qui est sagittaire, là. Parce que tout le monde dit que les sagittaires sont difficiles, mais regardez-moi. Enfin, je suis un peu en amour, quoi. Honnêtement. Pas de soucis. Les hommes capricornes. C'est vrai? Hommes gémeaux, j'arrive pas. On est d'accord, Ninou? On est d'accord. Les hommes gémeaux, c'est une... C'est très difficile. J'ai été 2 ans en couple avec un homme gémeaux. Ça m'a plus que vaccinée, hein, je viens de te dire. Hein. Team gémeaux. Après, les gémeaux, ils sont adorables. Les femmes gémeaux. J'aime beaucoup, beaucoup de caractère et tout. On adore. Mais les hommes gémeaux...
tu hors de ma vue, t'as vu ? Moi, je suis Sagittaire de décembre. Ok, Lucie, comme moi. Moi, je suis du 20 décembre. Attention, faut nettoyer la machine de temps en temps, sinon le résultat est deg. Ok, merci, Daisy. Donc, faut peut-être pas que je les enchaîne, c'est ça que tu me dis. Je vais pas les enchaîner, alors. Les scorpions, les pires tout court, je crois. Leur sanguinité me fatigue. Mon mari est scorpion. Oh, Lina, tu dois bien t'amuser. Vraiment ? Attendez, je check juste si ma vidéo, elle s'est bien upload, si tout va bien et tout. Ouais, ok. Allez, 3 sur 10. Ah, on est content. On est content, on est content. Et on regardera, on lira les commentaires un peu plus tard. Bon, j'en viens d'en lire un, déjà. Je suis un peu saoulée, mais bon. Voilà. Donc là, il a acquis sa première bouteille. J'ai pas besoin de le nettoyer pour l'instant, donc on va continuer le raisin. Hop. Homme Sagittaire, par contre, compliqué. Ah ouais ? Je sais pas, j'en connais pas. Je crois pas. Voilà. Tac. Alors. Putain, c'est tout violet, c'est du raisin. Ça, c'est beau, ça. Oh, il y a le petit brocoli, qu'est-ce que ça nous dit ? C'était juste correct ? C'est nature, c'est un peu trop nature à mon goût. Non, mais alors là, tu vas pas faire l'exigeant, toi, je te le dis. Sa bouteille a fait quoi, la 27 ? Qualité médiocre. Et si je la laisse vieillir, est-ce que la qualité va s'améliorer ? De l'eau partout. Je suis capricorne. Je peux rien dire des capricornes. Mon mari est capricorne, mon fils est capricorne. Oui, j'ai deux hommes capricornes à la maison. Oui. Oui, la vie va être difficile. Bien sûr. Putain, tout le monde est de décembre, Aurélia. C'est un truc de dingue. Ils croient tout savoir, les hommes sagittaires. La science infuse en personne. Mon père l'est. Et j'ai connu des hommes sagittaires pareils. En vrai, attendez, parce que c'est drôle, je crois que j'ai un exemple d'homme pour chaque signe où je me dis, mais le signe est horrible. En fait, c'est juste les hommes. Je suis mort. Après, il y a plein de trucs à prendre en compte dans le thème astral. Ouais, le signe solaire suffit pas, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que les filles en date, elles disent, est-ce que je peux avoir ta charte ? Enfin, c'est pour faire ta charte, j'ai besoin de ton heure de naissance. qu'est-ce que tu fous là, elle ? Qu'est-ce que tu fous là, Blair ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? Alors, du coup, oui, je vous disais, si je mets le vin médiocre, est-ce qu'il va s'améliorer ou pas ? Qualité normale, ça. Ah, mais là, c'est celui qui l'a trouvé, lui. Et de raisin, qualité normale. Bon, il fait pas encore des trucs de fou, mais bon, ça va peut-être venir. Ah, nettoyer la machine, voilà. Je suis taureau. Ah, on n'avait pas encore eu de taureau, ni de lion, d'ailleurs, Elims. Toi aussi, Célia, t'es taureau ? Ok. Non, ça sera médiocre, mais vieilli, donc ça se vendra quand même mieux. Vieilli, après, il débute, donc c'est normal qu'il fasse pas des produits de trop bonne qualité, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, c'est normal. Mais bon, on est là pour le fric, nous, le flouze, hein, donc voilà. Ça, c'est bon. Tac, tac. Et qu'est-ce que... Là, comment ça se passe pour notre jardin, là ? Oh, putain ! C'est mignon, ça ! J'avais jamais planté. En vrai, je fais pas beaucoup de jardinage dans les Sims, donc c'est plutôt cool, ce petit challenge-là. Ça me fait plaisir. Ok, ok, là c'est bon. Voilà, alors il a faim. Du coup, ouais, je vais aller acheter des trucs pour qu'il graille. Donc, il faut que je prenne de la viande, de la laitue, du pain si je peux. Maintenant que j'ai un petit frigo, de toute façon, je peux prendre un peu ce que je trouve, quoi. Ça peut être sympa. On va faire comme ça. Entouré de capricornes. Oui, des hommes capricornes. Bon, mon fils, il a 7 mois, mais quand il sera plus grand... Ça va être sympathique. Ça va être très sympathique. Vive la moula. Bah c'est ça, on est là pour la moulaga, nous. La bouteille à 17 simflouz, là, fait mieux. Farine. Ouais, il me faut de la farine à tout prix. Il me faut de la farine à tout prix. Enfin non, pas à tout prix non plus, mais il me faut de la farine. Vendre des produits, mais qu'est-ce qu'on peut vendre ? Qu'est-ce qu'on a à vendre, donc ? Bah on va vendre, hein. Déjà, on va commencer par vendre. Ah mais oui, j'ai 16 simflouz ! Mais attendez, je vais acheter des trucs, mais j'ai 16 simflouz ! Mais je suis complètement ravagix. Mais qu'est-ce que tu veux que je vende ? Qu'est-ce que tu veux que j'achète, plutôt ? Les fruits, ça coûte 150 simflouz, genre. Et vous me dites rien, vous. Mais ça y est, je m'étais habituée à la richesse, moi.
Les fraises, on va se les garder, on va les planter. La laine. Ok. Nectar de prairie, bah on le vend. Hein. Nectar de pomme, on le vend. De toute façon, il est dégueu. Nectar de raisin, vas-y, ça dégage. Comme ça, on a 300. Mais on va pas pouvoir s'acheter grand-chose quand même. Hein. Mon père est taureau et un vieux boomer, je vous raconte pas le caractère. Pff, c'est le daron, ça aussi. Hein. Mon père est vierge, donc en soi. Pff, les hommes vierges, en vrai, ça dépend, mais comme c'est un daron, il a un mauvais caractère, quoi. L'avantage d'avoir deux écrans, c'est que je fais les deux en même temps sur PC. C'est vrai que deux écrans, c'est difficile de revenir à un seul écran hein, quand t'as goûté. Hein. Alors attends, la farine, c'est combien? 10, ah ça va, mais je crois qu'il m'en faut 3. Donc ça fait 30, ok. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? De la viande. De la viande, je peux en prendre plusieurs parce que... voilà. Par contre, il n'y a pas de salade. Par contre, il n'y a pas de salade. Donc, on va pas pouvoir se faire un burger. Mais je vais pouvoir me faire du pan de campo, c'est déjà pas mal. Après, il faut vendre les nectars à un gus certains jours de la semaine. Ouais, c'est ça. Ça se vend avec un bonus. Ah ouais, j'aurais dû faire ça. Du coup, tu penses que je le garde? Bah non, ça y est, je l'ai vendu. Merde. Bah la prochaine fois, je le ferai. Ok, donc là, on va peut-être pouvoir se manger un truc sympa. Est-ce qu'on a... C'est quoi? Ah oui, c'est notre petite fiole qu'on a mis ici tout à l'heure. Très bien, personne ne l'a récupéré, non? Harry ne possède pas cet objet. Eh bien, figure-toi que si. C'est nous qui l'avons trouvé, ok? C'est qui ça? C'est qui ça? Mais c'est qui ça? Tu ne fais pas du... tu ne vis pas du tout ici? Ciel. Je connais pas. Pourtant, vu le prénom, c'est moi qui l'ai installé quelque part parce que... Les Sims n'ont pas des noms comme ça, de base. Ok, y a personne dans, la, dans le bled, là. Nul. Ah. Petit truc à creuser, là. Tiens, on va venir, là. Hop. On l'a déjà creusé tout à l'heure, ce truc. Mais, dans le doute, s'il y avait quelque chose de sympa... Ah oui, et là, il y avait... C'est là qu'on a trouvé la bouteille, tout à l'heure. Allez, let's gong. On y croit. La foudre peut frapper à deux fois au même endroit. On y croit. Ah ouais, non. Impossible de repasser à un seul écran. Oh. Et quand, si jamais j'ai pas mon deuxième écran pour x ou y raison, je suis obligée d'avoir genre l'iPad ou l'ordi portable ou je sais pas quoi à côté pour faire office de deuxième écran, quoi. J'arrive plus du tout, quoi. Je peux plus du tout. Il a rien trouvé d'intéressant ou je rêve? Un opale de feu. Rien à faire. Mais non, mais dans l'herbe, là. Pourquoi tu l'as pas prise, l'herbe? Oh! Il est parti à la deuxième sans ramasser celle-ci? Ah non, il est parti... Attends, il a un... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Attends. Arrête! Il est fou. Il devient fou. Arrête. Arrête. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire du saut, là? Il a trop d'actions en attente, je peux même pas le réinitialiser? Je vais péter un crâne. Réinitialiser objet. Arrête. Oh purée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça fait longtemps que j'ai sauvegardé, hein. On va sauvegarder, là, parce que là, ça commence à me faire peur. Hop, récolter toute l'herbe de prairie. Voilà. Vas-y, ramasse. T'as un peu faim, mais voilà, il faut ramasser d'abord. Alors, pommes de terre, citron, pas mal. C'est des choses à planter, c'est plutôt sympathique. J'ai trop chaud. Comment j'ai trop chaud? L'ordi, en plus, il donne chaud sa mère. Autant vous dire. Je propose qu'on installe une piscine quelque part et qu'on se rejoigne tous là-bas et on chill comme ça. Voilà, c'est mon plan. T'as les 5000... Non ! Letty, merci pour le sub ! C'est trop gentil, Letty. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. En plus, je te l'ai dit, ça me fait plaisir que tu sois là parce que je te vois toujours dans les chats et tout, quand je passe. Et voilà, ça me fait plaisir que tu sois là parce que t'as l'air super fun et tout, donc ça me fait trop plaisir. Bref, mais merci beaucoup, en tout cas, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Là, c'est bon. Il n'y avait pas autre chose à prendre. Il a récolté quoi, là ? Il n'y a rien à récolter. Allez, va te faire. Non, vraiment... Non, c'est trop. Bon, on a pas mal de légumes et tout. On a pas mal de légumes, etc., etc. Tu es d'accord pour la piscine, hein? Ça serait trop bien, parce que là, vraiment, la robe, elle me colle au dos, si je puis dire. J'allais dire, elle me colle au cul, mais c'est un peu moins poli. Attendez, faut que je me centre, là. Je commence à partir en cacouette. Je voulais aller à la plage hier, mais il y a des méduses, j'ai peur. Ah, putain. Après, tu te pisses sur la jambe, ça va, c'est tranquille. Ça marche vraiment, ça, ou pas? Ou c'est une légende? Est-ce que... Vous pisseriez dessus si vous faisiez piquer par une méduse ou pas? Débat. Alors, on peut griller des trucs. Comment ça, on peut rien griller?
Ah si, pan de campo, voilà, j'ai eu peur. Eh, j'ai acheté la farine ou j'ai pas acheté la farine? Je comprends. En vrai, les cancers, je kiffe moi, donc voilà. C'est sûrement pour ça que je sentais ta bonne vibe. Bess, elle va m'arnaquer, elle. Vous aimeriez avoir l'air heureux Allez, vas-y, va te faire. Allez, hop. Ah ben, c'était une arnaque, ouais, vas-y, mais c'est... ton arnaque, elle est vieille comme le monde, ma sœur. C'est bon, elle nous a saoulé. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est bloqué, il est bugué, il fait quoi? Il s'ennuie un petit peu, je pense. Hein. On va débattre, voilà. Débattons. Combien? Des bâtons? Comme des bâtons, genre des bâtons pour se battre. Allez, badoumts. Combien de fois on peut traire par jour? Ou tourne par jour? Mais il mange! Il a pas... Il a mis ça dans son inventaire? C'est ça, le pan de campo? Il est médiocre. Non, c'est les côtelettes, ça. Il a pas fait son pan de campo, là? Mais il est bête, ce type. Mais non! Mais il l'a fait? Mais il est où? Mais... Où est-ce qu'il a mis son pan de campo? Non, vas-y, ça me fait péter un crâne, ça. Elle est où, ma farine? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon pan de campo? Merci Calypsy d'être passé. Merci beaucoup. Gros bisous. Big bisous, bien bavu. J'ai un ami qui fait ça, ça marche pas. Il a continué à souffrir le martyr. Tu vois de quoi? Ah, du pipi de méduse. Enfin, sur le truc de méduse. Horrible. Mais par contre, j'ai perdu mon pan de campo, là. Je suis dégoûtée, mais bon. Voilà, voilà. Il a qu'à manger sa côtelette pourrie, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors il l'a mis dans son... dans sa petite truc, là. Mais ça m'étonnerait, je l'ai pas vu aller. Ah si! Oh, tout va bien. Tout va bien. Par contre, ça va, ça se met pas dans la glacière, ça? Et pourquoi? On peut savoir pourquoi? Ah si, c'est bon. Il faut que je mette la viande aussi. Hop. Hop. Attends, ça se met bien dedans, hein. Attends, j'ai pas l'impression que ça se met dedans. Ça se met en dessous. Mais non! Mais c'est quoi cette glacière de merde? Ma viande, elle va être perdue, là. Pourquoi je peux pas mettre dans la glacière? Il y a un glouglou qui est passé à la trappe, c'est vrai? Bah, le glouglou, malheureusement... Attends. Ah! Voilà. C'était vraiment trois gouttelettes, hein. Mais merci, ça m'a bien hydratée. Par contre, ma glacière, elle est nulle à chier. Ma glacière, elle est nulle à chier. Ouais, j'ai pas vu, moi non plus. Non, elle fonctionne pas, ma glacière. Bah alors là. Celle-ci, elle fonctionne. Elle a intérêt parce que je te jure, je pète un crâne. En plus, je l'ai revendue pour moins cher que ce que j'ai gagné. Donc ça me fait péter un crâne. Mais ça marche pas! Mais attendez, je suis en réseau ou un truc du genre? Attends. Merde! Je l'ai enlevé. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai enlevé. J'étais en vie simple. Ça, c'est sûr. Et... voilà. Oh, herbe de prairie sauvage, ça serait très très bien, ça. Ça, on va se l'ajouter, hein, tranquille. Bah voilà. Bah alors, où est le problème? Pourquoi ma glacière, elle marche pas? Parce que vie simple, t'as pas d'électricité, genre? C'est quoi? Mais si, t'as d'électricité, genre. Oui, bah alors, pourquoi ma glacière, elle marche pas? Non, mais on est où, là? Mais c'est de la merde! Mais j'ai acheté ça pour rien! Peut-être que c'est un CC qui fonctionne pas au réseau, mais là c'est pas un CC. Ouais, j'ai save, Coco. Comment tu vas, Coco, d'ailleurs? Comment ça va aujourd'hui? Mais purée, c'est de la merde, ça. Je vais perdre ma viande, je suis dégoûtée. Ok, il a un truc B, mini mouton, très bien. Il va bouffer sa patate crue, tu vas voir, ça va lui faire tout drôle. Oh, ça va lui faire tout drôle, je te le dis. Je vais les planter, d'ailleurs, les patates. Tac. Le citron. Le citron, je crois que je peux pas le mettre en dessous, là. Les haricots verts. Ok. Tu vas manger le pan de puerto. Tu vas en manger plein parce qu'on n'a pas de frigo, a priori. MDR. Et on va planter ça après. Planter. Oh purée, arrête. Hop. Merci Céline, merci beaucoup d'être passée. Bon dimanche à toi aussi, merci beaucoup. Mais ouais, je comprends pas pourquoi elle marche pas. Écoute, au moins en tout cas, elle se sera bien remplie la panse. Ça, c'est important. Ça, on ne dit pas non. Hop. Ok. Désolée.
Je regardais un truc sur YouTube, sur ma vidéo YouTube. J'ai trop envie d'avoir des mini-moutons, mais j'ai pas le pack. Ah bah ça, malheureusement, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais putain, mets pas tes assiettes par terre. Ah, mais c'est vrai qu'il a rien pour faire la vaisselle. Il peut pas mettre dans la poubelle, hein. Attends, ramasse ça. Il faut une poubelle ou un évier. Mais t'as une poubelle? Non, alors là, attends, y a plus rien qui fonctionne, là. Ma poubelle. Elle est là, ma poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je peux mettre dans la poubelle. Il est fou, ce type. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas de poubelle? Il est épuisé, hein. Le pauvre, je le fais vraiment travailler comme un godin. Tout est bon, mon capitaine. Au pire, le panier de pique-nique fait gagner un peu de temps, sinon le mini-frigo. Ouais, ça va finir comme ça, mais bon, la glacière, quoi. Parce que du coup, je perds des sous à chaque fois que j'achète une glacière et qu'elle fonctionne pas, hein. Quand même. Arroser. Et après, tu vas pouvoir aller dormir, ma belle. T'inquiète. T'inquiète pas. Pas sur ses cartons, quand même. Il va dormir là. Bon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, de toute façon. Parce que là, franchement, on a bien avancé. Je suis plutôt satisfaite. Franchement, j'aurais pas cru. Je sais pas ce que je croyais, en vrai. Mais je pensais pas qu'on aurait déjà tout ça. Oh, attendez, on a du miel aussi. On va récolter le miel. Attends, il va faire ça avant de dormir. Il va récolter le miel. Et on va voir, on va voir, on va voir. Tac, tac. 18, ok. Hop, la déception est là. Médiocre. Allez, va te coucher, c'est mieux. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je suis plutôt satisfaite de ce qu'on a fait. Et puis, je vous avoue, hein, je ne vais pas cacher, je crève de chaud. Et coucou Angèle Doux, Angèle Doux, comment tu vas? Pour conserver un peu plus longtemps tes plats, tu peux acheter un panier. Ouais, ou un petit frigo, je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Trop hâte d'aller voir ta nouvelle vidéo. Merci Célia, c'est trop gentil, merci beaucoup. J'espère que ça te plaira. Thomas, je viens d'arriver avec le décalage horaire. Oh, t'es où, Didou? T'es où? Bah t'inquiète, tu pourras regarder la rediff ici sur Twitch ou sur YouTube. Y a pas de souci. Ok, en tout cas, il se repose bien. Il va aller se faire un petit pipi, se prendre une petite douche. Et on est pas mal. Douche rapide, les votes sont ouverts. Mais ça me casse les couilles, ça. Pourquoi il y a des panneaux communautaires ici aussi à Chestnut Ridge? Regardez, ils s'envoient de l'amour, ils sont trop choux. Trop contente aussi qu'on ait deux petits bébous. Chèvres prêtes pour la traite. Mais attention, parce qu'ils leur parlent quand même de temps en temps. Et il n'y a vraiment aucune relation, quoi. Les Capanzors viennent du bout du monde. Mais vraiment, hein. Canada. Coucou, bon matin du Québec. Tu vois, Noumi Québec. Coco Mante, Japon, non mais vraiment, Guyane pour dites-vous, c'est dingue, donc 5 heures de moins. Ah oui, c'est sûr que ça a fait un peu tôt. Merci de regarder mes rediffs, t'es trop mignonne, c'est trop gentil. Mais la semaine prochaine, je vais streamer en soirée, donc ce sera plus facile pour toi de suivre le live, je pense. Allez, je pense qu'on va s'arrêter ici, on va s'arrêter sur les fesses, sur les fesses de notre cher petit Harry. Hop, il est trop mignon. Franchement, je suis trop contente. 251 Simflouz dans la poche, c'est pas beaucoup, mais en vrai, vu ce qu'on a fait, on a bien avancé. On a vraiment bien avancé. Hop, je vais passer en full screen pour vous dire au revoir. Et je vais aller attacher ma crinière, me rafraîchir, parce que là, je meurs. Je meurs, je sais pas si ça se voit. En vrai, j'ai pas l'air trop rouge, mais je me sens hyper rouge. Vraiment. Donc je pense que c'est juste la caméra qui est sympathique avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder qui c'est qu'on peut raid. Mais attendez, tout le monde est sur les Sims 4, il y a Lucas, il y a Noémie qui sont tous les deux sur les Sims. On va aller voir Noémie, hein. On va aller voir notre petit NS. Il a l'air heureux comme tout. Mais en vrai, ça lui réussit plutôt bien la campagne, je pense, à Harry. Hein. C'est vrai, hein. Franchement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream, j'espère qu'il vous a plu. Vous pourrez retrouver la rediff sur YouTube si jamais vous n'avez pas tout suivi, il n'y a pas de souci. Et je pense même monter cet épisode pour YouTube. Alors je vous le dis, je pense que ça sera les vendredis, si je monte un petit peu des replays Twitch, ça sera le vendredi. Donc si jamais vous suivez mes streams avec beaucoup d'attention, vous n'aurez pas besoin de regarder la vidéo du vendredi parce que vous l'aurez vécu en direct. Super ce stream, oh merci Enilmi, je sais pas comment on dit ton pseudo, mais merci beaucoup. Et merci Gwen, à bientôt. On se retrouve mardi, si ça vous va, je vais poster le planning dans le Discord et puis aussi sur les réseaux dès demain matin. Je me laisse encore le reste de l'après-midi pour voir si je modifie quelques petits trucs au planning. Mais en tout cas, on se retrouve mardi matin pour prendre notre petit déj ensemble, si ça vous va. Et on fera du shopping. Le shopping Sims. Il y a du bruit dehors, c'est insupportable quoi. C'est dimanche les gars, oh, on se chill. Merci beaucoup à tous, bon dimanche à vous. Et à mardi en live et puis à bientôt sur YouTube aussi. Gros bisous, ciao. Et on va lancer le petit raid. On se retrouve chez la Anne, bien sûr, bien sûr.
la star des stars. Attendez, prêt à lancer le raid dans 6 secondes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon dimanche, merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon de dire que c'est une safe place ici. Merci. À demain, à bisous, à ciao. Bye, bon après-midi.